Salam alaikum. Donc, dans la continuité de Louis Benner, nous faisons appel donc, à notre inspecteur du débat, M. Hamoudan Kamet, vice-président de la Fédération algérienne de basketball, formateur donc, international. Donc, nous avons sollicité pour qu'il contribue au cadre de Louis Benner. Le thème donc, a été choisi, c'est la production disponible. Parce que je voudrais présenter nos sincères condoléances à l'ancien dirigeant du basket, donc Gaf Hakim, qui a perdu son frère, Arbier Moussa. À toi, Kamel. Arbier Moussa, bismillah, salam alaikum, rahmatullah, jama'a. Donc, c'est un plaisir aussi de se rencontrer encore pour ce Zoom. Donc, on est là pour travailler ensemble. Le thème qui il s'agit bien de la faute, ce qu'on appelle la faute antisportive. Cette faute, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de l'interprétation de ces fautes, surtout au niveau aussi des entraîneurs qu'aussi des arbitres. Donc, à mon sens, il faut bien que Sfiane Atene le partage. Je n'ai pas partagé. عاود كامل ماشي تما كي دير بارطاجي جي لابيتود كوم ديو بارطاجي شاري با جماعة سي تي ان بوين دو ريغلمون كو سيكل كو لي اربيترو لي انتينور دوف ميتيليزي. C'est-à-dire que c'est une règle, ou c'est-à-dire qu'elle est clarifiée par une certaine réglementation, mais c'est-à-dire que les tétatéras, ça reste toujours la prestation de l'arbitre. Donc cette faute, elle est très, très, très importante de la connaître, surtout à faire apprendre aux jeunes. OK. Donc qu'est-ce que c'est que la faute antisportive? Donc automatiquement, c'est l'article 37 du code de règlement jeu FIBA. La définition, une faute antisportive, est une faute commise par un joueur lorsqu'il viole de manière volontaire et parfois avec un engagement physique exagéré de certaines règles. C'est-à-dire qu'il y a une intention du joueur, soit de faire du mal, ou une intention de briser un jeu ou la hajat dans le sens où ça sort de l'esprit et la règle du basketball. OK? Dans ce cas, c'est une infraction volontaire commise par ce joueur. Et toujours, selon le jugement de l'arbitre, elle met en danger l'intégrité physique de l'adversaire, c'est-à-dire qu'elle peut provoquer des blessures graves pour un joueur adversaire. Aussi, elle est aussi contact provoqué par un joueur non nécessaire, c'est-à-dire qu'il me fait une certaine rudesse, non nécessaire, contraire à l'esprit et à l'intention des règles de jeu. C'est-à-dire que la FIBA, avec le temps, cette règle d'arrêt, c'est pratiquement chaque modification FIBA, il y a un point qui est touché au niveau de la faute antisportive. À un certain moment, ils ont jugé que les fautes inutiles, les fautes qui n'ont rien à voir avec le basket, elles sont faites volontairement, sans aucune rudesse, elles sont jugées comme étant une faute antisportive. Maintenant, l'entraîneur et la faute antisportive. Ça, c'est très important. Si l'entraîneur, je sais ce que c'est qu'une faute antisportive. Quelles sont les conséquences de prendre une faute et une faute antisportive? Bon, on le sait bien que l'entraîneur, c'est-à-dire qu'il est chargé à la tuile d'un. Quand l'entraîneur est chargé d'amener une équipe à son meilleur niveau et de préparer une série de compétitions, ça c'est le rôle de l'entraîneur premier, c'est de charger de préparer une équipe et de l'amener à un niveau aussi pour être prêt aux compétitions. Aussi, il est responsable de l'échec comme de la réussite. Ça c'est logique, ça c'est le président à l'entraîneur et prépare l'équipe. On est responsable, ça c'est la loi. S'il est aussi réussite, on dira aussi qu'il est responsable de cette réussite. Aussi, et ça c'est très important, qui est négligé par pas mal d'entraîneurs, c'est l'apprentissage des règles FIBA à leurs joueurs. D'entraînement, d'apprendre aux jeunes la règle du basketball, notamment cette règle qu'on va discuter à l'Elium, la règle antisportive, l'article 37. C'est pas dit que lorsqu'on fait par exemple une séance, tu as le dribble ou là, donc on doit prendre le joueur pour éviter le double dribble.
le démarrage du délai pour apprendre le joueur, pour éviter le marché, etc. Ça, c'est des points de règlement qui peuvent être appris aux joueurs pendant la séance d'entraînement, y compris cette faute antisportive qui est citée dans l'article 37 où le législateur FIBA atteint 5 critères. Donc, l'entraîneur aussi doit faire apprendre à leurs jeunes joueurs qu'est-ce que c'est que les 5 critères de la faute antisportive. C'est que le joueur qui trouve des intérêts de jeu, il a déjà dans sa tête pour éviter cette faute antisportive. Aussi, il doit faire apprendre aux joueurs comment éviter de prendre une faute antisportive pendant le jeu. L'entraîneur doit apprendre à ses joueurs pendant la saison d'entraînement comment doit-on éviter une faute antisportive. Et ça, parce qu'à donc il faut les conséquences derrière même. Il doit faire apprendre aux joueurs les conséquences de la sanction de la faute antisportive. Parce que la sanction de la faute antisportive va différer de la sanction de la faute normale, sur ce qu'on appelle une faute personnelle. Parce que là, prendre une faute antisportive, yani, tu vas mettre ton équipe en désavantage. Parce que la sanction, bah, je vais vous l'exposer, la faute antisportive vient dénoncer Florent, plus possession pour la même équipe. C'est-à-dire qu'un an, l'entraîneur doit faire comprendre à leur joueur que faire provoquer une faute antisportive, ماهوش في صالح تاع الفريق ديالو وكونطري يكون ضد الفريق ديالو علاش باسكو الفريق المنافس راح يتحصل على رميه حره زائد ماذا زائد روميزون يعني الكره تولي الفريق هذيك دونك سكون ابل سي اون دوبل سانكسيون اي لونسي فران بلس دي لونسي فران بلس لا روميزون جو دونك كا ان اون كونتينر جو دو فير ابروندر جوور باتونسيون لي جون سي اون بري فون توتي سبورتيف راح تكون ضدنا علاش ضدنا راح نعطوا رميه حره للفريق المنافس وزيدوا نعطوا له الكره يعني ما ربحنا والو و اونتر بارونتيز يستوك سي تي سيتوياسيون دو 7 بوين اون بو دوني لادفيسير اون فراكسيون دو سكوند 7 بوين سي با دي سوبوزون كي مارك 3 بوين بلس فوتونتي سبورتيف دونك بلس 1 دونك صافا 4 بوين يلو برانا لا بال تونتاتيف 3 بوين مزيد مخيك 3 بوين دونك يلا مارك 7 بوين هنا المدرب تلقى ينبه اللاعبين تاعو الخطوره وال لا مدى ديك الخطورة تاع كيف واحد الفريق من اللاعبين تاع الفريق تاعو تحصل على فوت اونتي سبورتيف يعني خطأ على سلوك غير رياضي هنا يديبليك يكون يعني ما راحش الفريق ما راحش يحطو dans un parcours qui va être désavantagé. Dans ce cas, l'entraîneur, il est aussi sensible de faire apprendre tous ces points à leur joueur, surtout en tant que jeune joueur. Parce que c'est vrai, on a tendance à prendre à jouer la bilat, mais on oublie chaque fois le règlement des conséquences. Il y a aussi un petit bon joueur, s'il va commettre deux anti sportifs, il va être disqualifié. Donc, on a le mot de blic, il y a des gens qui ont fait le hakim kharjek. Dans ce cas, on a fait le fariq taï kun khazer. Imaginez, je serais privé d'un des meilleurs joueurs taï parce qu'il a copié deux tickets de faute anti sportive. Là, donc, je vais être pénalisé. Dans ce cas-là, la boudin alim l'aab taï, le khata ou le khotora taï, qui l'aab y t'lqa khata sur le khair riyadi, ou thani pour le hakim ida, t'lqa une deuxième faute anti sportive, ça peut mettre son équipe en désavantage. Voilà. هنا اللي حصل الحكام على كل حال مام المدربين pour permettre et faciliter les bonnes décisions et aussi pour permettre aux arbitres d'apprendre la faute sportive aux joueurs. Les arbitres et les entraîneurs doivent s'appuyer sur les 5 critères, c'est-à-dire 5 critères qui sont cités dans l'article 237 du code du jeu FIBA. Et 5 critères qui sont dans ce cas pour les arbitres et même pour les arbitres pour qu'ils prennent une bonne décision et aussi pour les entraîneurs pour s'appuyer, pour faire apprendre à leurs jeunes les 5 critères, le règlement détermine si une faute antisportive doit être sifflée pour les arbitres ou là, si une faute antisportive peut être évitée par un joueur. Et tout ça, attention, le critère avant, c'est seulement le jugement de l'arbitre. Le jugement de l'arbitre, il est basé sur ce critère. C'est-à-dire que l'arbitre ne va pas inventer. Il y a des critères qu'il doit respecter pendant tout le long de la rencontre. Il y a 5 critères que l'arbitre et aussi l'entraîneur qui doit faire apprendre à leurs joueurs. Donc, pour ne pas trop tarder, donc, pourquoi cette règle? C'est-à-dire, pourquoi l'islateur jette la règle? Elle dit le règlement FIBA, elle a quelle règle? Elle dit tout simplement promouvoir un jeu propre. C'est-à-dire que le basket, c'est un jeu de spectacle. C'est un jeu, je vous le dis, plaisant. Il y a des pays où le basket avec le football, ils jouent kiff le spectacle, etc., la promotion, etc., ils sont au même niveau pratiquement, ils ne dominent pas trop le football. Donc, promotion d'un jeu propre, faire attention à la sécurité aussi et l'intégrité physique des joueurs.
c'est-à-dire que la protection des joueurs, la règle de vie, elle est venue pour protéger les joueurs dans le cas où ils connaissent un jeu à certaines rudesses. Ok. Dans ce cas, la règle de vie jette aussi pour protéger les joueurs, aussi éliminer du jeu les sanctions et les actes inutiles. C'est-à-dire des actions qui ne sont pas inutiles, qui ne sont pas beaux pour le basketball, qui ne sont pas beaux pour le jeu, le beau jeu du basketball. Là, la règle de la vie, elle élimine des actions et des contacts inutiles. Il m'a dit, le contact là, le sénateur a qualifié comme étant une faute des sportifs, ou on a comme déjà la double sanction d'y aller. Aussi, pour les arbitres, surtout, assurer la cohérence entre les officiels dans la décision, jugement de la faute antisportive. C'est-à-dire qu'il va avoir pratiquement un même jugement en se basant à la même toujours sur les 5 critères. Donc c'est ça, c'est que le but de la règle, c'est protection des joueurs, éliminer toute action ou contact qui n'a rien à voir avec le basketball, et aussi les arbitres, lorsqu'ils prennent décision dans la faute antisportive, cette décision doit être cohérente, etc. C'est dans le but que tout le monde soit dans la même ligne. Donc pour Allah, c'est le but qu'à l'arrêt, à la règle 37. Ça, comment faire, c'est-à-dire comment l'arbitre va juger et aussi comment l'entraîneur va faire comprendre à leurs joueurs qu'est-ce que c'est qu'une faute en disportif. D'abord, faute avec contact, c'est-à-dire que c'est une faute qui est provoquée avec un contact avec un adversaire. Donc, c'est une faute, donc on ne peut pas imaginer une faute en disportif sans contact. Donc, il doit avoir contact entre deux adversaires, attaquant et défenseur. Ok, il se peut que l'attaquant comme il se peut que le défenseur. Le mohème, la faute en disportif, elle doit avoir contact. S'il n'y a pas de contact sur la faute technique, par exemple, il n'y a pas de contact, ce n'est pas la même chose. Donc, premièrement, la faute, elle doit avoir un contact. Secondo, l'arbitre, il doit siffler la faute. C'est-à-dire qu'il y a un contact, il siffle. Contact, il siffle la faute. Troisièmement, évaluer l'acte. C'est-à-dire que l'arbitre, il doit évaluer l'acte. Est-ce que Youssef Darajat al-Khata sur le Kariyadi ou le Riafel Darajat al-Khata Adi ou le Tik Jouzak Farmidalik, la faute disqualifiée. Ok, donc évaluer l'acte. Surtout, la chose la plus importante du Mara, ne pas juger l'intention. C'est-à-dire que le Hakim Marach, il juge ou la Marach, il Hakim, elle a le niyet à l'âme. Il se peut que l'âme, il a le Hussein, il a le Kora, ou la qu'il a une certaine force, une certaine rudesse. Le Hakim Marach, il trouve le Mokht à l'âme. Et puis, il y a le Hakim Marach, il y a le Mokht, il y a le l'âme, il y a le niyet à l'âme. Donc, on doit juger. Là, on doit juger l'action et non pas l'intention du joueur. On a dit maintenant, le hakim, il a beau dire le qara, il a l'accès de l'acte, mais il a l'accès de l'niyat à l'âme. Donc, ne pas l'arbitre, mais il a l'accès de l'acte, il a juger l'intention. On doit juger uniquement l'action. Vous le dites, لقطة تاعو هذيك عندها يو سيتان ريدس دونك انا بروفوك ان كونتاكت رود هنا لاربيت اوبليجي سفرونت نوتي سبورتيف دون سكا الحكم في النيه تاع اللاعب يقول لا الكره حسدو يا خويا انت حكى بالكره حسدو ولكن هذاك التصرف تاعك كان تصرف عنده افراط في التصرف تاعك هنا سي اون فوت دونك في الحكم يقيمها كانها خطا غير سلوك رياضي دون سكا اون جوج با لانتونسيون دو لا فوت اوسي ريكاليفي لا فوت. Maintenant, les nouveautés, on peut la réqualifier la faute. C'est-à-dire qu'on va chauffer le protocole, tu as comment siffler une faute. L'arbitre, il peut requalifier une faute antisportive, une faute personnelle, ou une faute personnelle comme étant une faute antisportive. Ça, les 5 critères que l'arbitre doit suivre. Siffler un contact, plutôt une faute avec contact, siffler la faute, évaluer l'acte, l'action, le darajat à l'antisportif ou la mettre le hajj, ne pas juger l'intention. On ne juge pas on juge uniquement l'action. Il a dit que le hakim a dit qu'il s'est déclaré. Donc, le hakim a dit qu'il a qualifié la faute de soit la faute personnelle ou l'inverse. Voilà. Le critère numéro 1, qu'est-ce que c'est que le critère numéro 1 ou le khassiyya l'oula? La faute antisportive. Comment on doit juger qu'il y a une faute antisportive? Maintenant, le critère de l'Ajma'a, il goûte un contact avec un adversaire sans tentative légitime de jouer directement le ballon dans l'esprit et l'intention des règles. C'est-à-dire que l'Ajma'a, il n'y a pas de nia pour jouer le ballon. يعني المهم المحاولة تعب باش يلعب لا كاش عنده محاولة باش يلعب الكرة دونك سي تان كونتاكت اونيتيل يعني ما عنده حتى بلاصة باش يدير هنا الكونتاكت هذايا
C'est-à-dire que tu vois dans le ballon qui tient la balle, est-ce que vous pensez que ce joueur joue le ballon? Même quand je suis certain de ça, Sahmakesh m'a dit une tentative légitime de jouer le ballon dans l'esprit et les règles du basketball. Le basketball, c'est un jeu spectaculaire. Donc, le législateur FIBA, c'est le lactam. كي يعرف بليك الخطا هذا يعني كي يكون موسى صدرت محاوله ما عندوش يعني نيه باش يلعب بالكره راح تكون فوتون تي سبورتيف الفاتر سانكسيوني دو فوا قلنا بين اي دي لانسي فران اي بلوس لا روميز اون جو دونك انا اللاعب لابد يتفكر دو فوا دونك يدوا يفليشي دو فوا افون دو كوميت سيت اكت اونيتي دونك كا سيت اون اكسيون او اون تونتاتيف سانز ايليجيتيم de jouer directement le ballon dans l'esprit et l'intention des règles. C'est-à-dire que l'acte est d'art de mettre un doux à la caméra courte. Dire faute, pas si dire faute. Sans avoir un peu de ce qu'on a, mais d'acte à la caméra, même si le législateur FIBA a mis fin à cette pratique, les quand de créer moins de gens qui ont contact avec la remise en jeu de classe, c'est-à-dire que le faire ou le lab, il y a un peu de l'acte à la caméra, il y a un peu de l'acte à la caméra, il y a un peu de الفريق الخصم وثانيك عنده لا ريميز اون جو دونك كي فاتر سانكسيوني دو فوا قلنا لونسي فوا اي ريميز اون جو دونك كاس سي ان كونتاكت سونز اوكين تونتاتيف ليجيتيم دو جوي لو بال اوكي هايليك الصوره هنا روج ريغاردي شوف راه البالون شوف معايا لا فوتو شوف راه راهم لي دو مات تاع الجوار اسكو ريالمون سو جوار جو لو بالون اي جو با البالون فار اون فوت بور فار اون فوت بور اريتي لو جوار هذا ما كان دونك كا ليس لا تور في با هذا لافوت هذه حسبها كوم ايتون فوت اون تي سبورتيف اوكي حنا كاش كون دو روتونير لي بوين روتونير في لافوت لو كريتير نيميرو 1 لو كلونتانو روسي دو روتونير كونسيرنون لافوت دو بوين على لافوت اون تي سبورتيف alors ne pas jouer le ballon dans l'esprit et l'intention des règles sur la photo avec le match ça c'est une faute est-ce que cette joueuse en blanc a vraiment commis une faute ou une zame à la joueuse matmarkej ou la mal à la baliche dans ce cas, ne pas jouer le ballon dans l'esprit de l'intention des règles. Là, c'est une faute anti-sportive. Parce que là, je vous dis que le charme du basketball. Le basketball, c'est l'attaque, c'est le mouvement, c'est tout le monde en course. Là, c'est de faire une faute pour une faute. L'histoire FIBA, c'est une faute à double sanction. Aucune tentative légitime de jouer le ballon. Regardez, est-ce qu'il y a une tentative légitime de jouer le ballon? Il n'y a pas de tentative aussi. Le ballon regardera, chauffera la joueuse. Contact inutile. Yani, quand on a cela, on a un petit cac. يعني بعت لك الله جماعه دونك كاليزي الشات شوفوا روحوا دخلوا ليا كليكي على فيديو تاع اليوتيوب اي فوز علي فوار لا فوت هادي جو سي با راكم تسمعوني تسمعوا كمان دونك اليزي لا فيديو اي ريغاردي سيت فوت Regardez la faute d'Adil, comme je vous le 15 ans. Est-ce que réellement elle a joué la balle? Les arbitres, sans hésiter, sont sifflés, ils ont sifflé directement faute antisportive. On va la revoir encore une deuxième fois. Aoudou Choufadjma. Regardez numéro 15. Ok, c'est une faute, mais elle n'a aucun sens.
Donc, habbi ha habbi nhi la balle, ou khlas. Ok, dans ce cas, c'est une faute anti-sportive. Voilà. Donc, une kimmel ou djma. J'espère que vous avez bien vu la vidéo. Là, Oudoula, ou le Taoudoula. Djma, c'est bon? Je touche la vidéo là. C'est bon, très bien. Chaque fois, c'est bon. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Très bien. Donc, on a le deuxième critère. Le deuxième critère de la faute antisportive. Quel est le deuxième critère? Un contact dur, excessif, causé par un joueur s'efforçant soit de jouer le ballon ou bien de jouer l'adversaire. On a l'inverse dans le premier critère. Le premier critère, il n'y a aucune tentative légitime de jouer le ballon, même si c'est une faute simple. Il n'y a aucune tentative dans la règle explicite. Dans la règle du basket, c'est une faute antisportive. Le deuxième critère, c'est un contact dur et excessif. C'est-à-dire, causé par un adversaire, on s'efforce en soi, Bachir Abdel Kora ou le Bachir Abdel Lab. Ok. Regardez par exemple cette photo. Regardez le blanc avec où il a mis sa main. Pardon. Regardez au Rahido. Ok, c'est-à-dire que c'est avec une certaine rudesse. Il joue pas le ballon, il a joué. Il a joué directement l'adversaire dès le deux fois, deux fois et tout. Donc avec une certaine rudesse excessive. Il dit mais où je faute normal une tentative légitime d'attaquer le ballon ou la galie pour éviter que l'adversaire ait marqué ou touche le deux, c'est une faute simple. Là, c'est pas une faute simple. Le joueur son contact il est excessif. Dans ce cas, c'est une faute pas plus sportive. Elle a dit zéro de hudoud. Le deuxième critère a dit, moi j'ai toujours dit que la faute antisportive, la situation a dit, et la faute disqualifiante, c'est sa belle-sœur. Pour moi, la faute antisportive, la disqualifiante, a dit, je suis à la situation a dit. C'est-à-dire que la faute antisportive avec une certaine rudesse, elle peut aller jusqu'à la faute disqualifiante. Elle devient peut-être directement l'agression caractérisée. Ok, c'est-à-dire qu'un affinité a la faute à lui, tu me chimes à la maladie disqualifiante. C'est sa belle-sœur. Ok, c'est-à-dire que des fois, la faute à lui, elle peut directement la faute antisportive qu'il connaît avec une certaine rudesse. Le plus important, là, qu'est-ce qu'on doit retenir, c'est que ce joueur n'a pas joué le ballon. Même s'il a joué le ballon, il a joué le ballon avec une certaine rudesse. C'était le contact à haut, il a mis en danger l'intégrité physique du joueur. C'est pas dit qu'il y a un risque, il se peut que le peut se faire blessure même grave. Dans ce cas, non, l'arbitrage, on est là pour protéger les joueurs ce genre de comportement. Donc, c'est un comportement qu'on doit sanctionner dès le départ. On ne doit pas laisser suivre la faute avec certaines rudesses. Je la qualifie comme étant faute antisportive et je l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, Tectos, la limite à la disqualifiante, carrément disqualifiante, ce n'est même pas une antisportive. Parce que là, qui connaît Frat Zaid, c'est rigolo. Donc là, l'arbitre, il peut la qualifier comme étant faute disqualifiante. Ou est-ce qu'il n'est pas le Hadja? Personne ne peut contester là, parce que la rudesse, c'est-à-dire qu'elle a exagéré. Dans ce cas, la limite à la sport, il peut le disqualifier. Dans ce cas, deux critères de la Jumaa, la faute antisportive, comment peut-on juger une faute antisportive? Une faute antisportive, c'est bien le contact dur et excessif. Ok, un yachtikak, moufaret. Qu'est-ce qu'on doit retenir le contact de là? Contact dur et excessif causé par un joueur. Donc, la bout de Bachikou, contact dur et excessif. Fanny, ne pas jouer au basket dans l'esprit en tension directe, c'est la même chose. La rugby, je vous par exemple, sur la vie, je vous dis le camarade rugby, vous pensez que ça, c'est à la limite disqualifiante, sincèrement. Ok, regardez au Rahido, au niveau du côté du joueur, il peut le blesser gravement, il peut même lui couper la respiration. C'est un jeu qui est dangereux. Je l'ai dit toujours public, cette faute, elle est à la limite la faute antisportive, la faute disqualifiante, pardon. Ok, dans ce cas, la faute, elle dit, mais les arbitres, même tous les entraîneurs, vous apprenez à vos joueurs, ce genre de comportement, il est interdit dans un terrain de basket, même pendant l'entraînement. Ok, c'est-à-dire que le but de l'arbitre, il t'aime, il a battu le coach, il a dit, il met 10 chutes. Voilà. Dans ce cas, ça, c'est le deuxième critère. Donc, on va faire la deuxième vidéo aussi. Donc, allez-y directement le chat pour la deuxième vidéo. Je trouve le lien de YouTube avec.
Regardez. Vous pensez que c'est un jeu normal là? Voilà, je fais encore une deuxième fois. Très bien. C'est bon, je m'arrête toute la vidéo. Très bien, on avance. Donc, le troisième critère. Le troisième critère est qu'un contact non nécessaire provoqué par un défenseur dans le but de stopper la progression de l'équipe attaquante lors d'une transition montée de balle. OK, stopper un contact non nécessaire, dans le but de provoquer un défenseur, dans le but de quoi? D'arrêter ou de stopper une progression ou ce qu'on appelle une montée de balle. Donc, j'aimerais bien poser la question, les antennes ont répondu, qu'est-ce que c'est qu'une transition du main? Les antennes, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une transition? Quelqu'un peut mieux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une transition? Et je m'involontaire à l'entraîneur, je m'entraîneur, je sais pas, je ne sais pas, cher Tchelou, c'est pas, j'aimerais bien que ce soit les jeunes entraîneurs de participer maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'une transition ou une montée de balle? Et les jeunes, les endroits, il peut parler. Saïd Dani, il a levé la main, t'es où la main, Sfian? Oui, Tchadda. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, wa alaikum. Je pense que c'est une contre-attaque, non? Quelque part une contre-attaque, la balle elle est pour les rouges. Les rouges ils vont attaquer, les verts ils défendent, ils récupèrent la balle. Ils perdent la balle, ils ont une transition, la défense l'attaque. Et le joueur il essaie de stopper l'action en tirant le maillot. Très bien, c'est pas dit. Alors, c'est-à-dire que la contre-attaque, c'est d'attaquer le panier le plus rapidement de l'adversaire avec un seul membre. J'espère que c'est ça. Tout le monde est d'accord. Donc, tu es en train de bien conseiller. Dans ce cas, attaquer le plus rapidement le panier avec un seul membre. Il connaît un seul membre, il est soit 2 contre 1, 3 contre 1, 3 contre 2, etc. La montée de balle, c'est quoi la montée de balle? Ah non, on ne parle pas de contre-attaque, justement. Là, c'est-à-dire qu'une montée de balle, la transition, qui va jouer le cher Saïd Benim, la transition défensive, faire l'offensive. La zone arrière vers la zone avant, c'est-à-dire que l'attention, la montée de balle, qu'on a pris un rebond défensif, tu n'as qu'à pas ni encaissé. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on a pris un rebond offensif, rebond défensif. Même en panier encaissé, une montée de balle. C'est-à-dire qu'un A, c'est un contact qui est inutile, provoqué dans le but de quoi? De stopper le chronomètre. Et de stopper une attaque vers le panier d'adversaire. Le basket, c'est le spectacle. OK, en premier lieu, c'est le spectacle. C'est déjà tout le spectacle. Les spectateurs me disent qu'ils font les fautes inutiles. C'est vrai, il y a des fautes, c'est ce qu'on appelle une faute inutile. Dans le but de quoi? D'arrêter de stopper une montée de balle et aussi de stopper quoi? Le chronomètre. Adam a dit qu'il n'y a qu'une certaine rudesse. OK, c'est une faute personnelle, normale, parce que le législateur, FIBA, la situation de la montée de balle, la transition, comme il faut tant que sportif pour mettre fin à ce genre de comportement de la vie de 2014, c'est-à-dire Jet, elle met fin à ce genre de contact inutile, à ce genre d'action inutile. La FIBA a requalifié cette faute comme faute personnelle, elle a requalifié comme faute anti-sportive, où l'équipe, le joueur qui la provoque, l'équipe adverse, il va être sanctionné en deux fois, annoncé, plus remise en jeu. Par exemple, je vous montre la photo, par exemple. Regardez la photo. OK? Alors, regardez la photo rail. Dans ce cas, il n'y a pas sur le nombre. Il y a deux défenseurs et un attaquant. Donc, c'est une montée de balle. OK? Là, le contact, là, non. La balle au rail.
Tu vois la flèche jaune, la balle est là. Ah, le cercle bleu, la balle elle est là. Regardez chaque pin, la faute, le contact et la balle. Est-ce que vous pensez que ça c'est une faute normale? Faute utile? Il a dans le but d'arrêter la montée de balle, d'arrêter la transition de l'équipe adverse et aussi de stopper le chronomètre. Dans ce cas, c'est une faute. L'imam d'Ahta place le basketball. L'islatul FIBA a requalifié cette faute comme étant faute personnelle, a déjà comme faute anti-sportive. Dans ce cas, cette faute, ok? Donc, vous avez bien regardé Naya. Regardez la photo, Elle est là. Je vous le parle, je vais aller à la C'est-à-dire qu'elle a la photo de Ben Brick, Badar, bien, ma mètre et demi, c'est maintenant c'est pour le dérive. Donc, Ben Brick sur le filtre, elle peut être plus. Donc, c'est une faute provoquée dans le but de quoi? De stopper la progression de l'équipe, pour éviter de marquer pour encaisser le panier, et aussi pour stopper le chronomètre. C'est une faute normale. C'est que dans son geste, mais caché, c'est une certaine rudeur, celui-là provoquer un contact dur, provoquer un contact pour blesser l'adversaire. Non, c'est un contact qui est normal. Et parfois, même, vous l'avez remarqué, tu vois. Bon, j'ai d'autres vidéos, parce que je suis en train de parler à l'écran. Oui, le joueur lui fait la faute, il dit d'eau. Ça m'a cherché de faute. Est-ce que vous avez vu tout un assassin, ou plutôt un criminel, parce que son crime, il dit la police, groupe de tel crime. C'est rare, c'est rare de créer un doute à la famille, groupe de conscience. Voilà, il dit ça, il dit que c'est rare. Il dit faute, il y a cherché de faute, il faute volontaire pour arrêter le chronomètre et pour arrêter la progression. Non, la situation a dit donc, mal, faut que tu comprennes ça, tu ne le fais pas. Il a mis fin à cette pratique, parce que c'est comme étant une faute. Antisportif va les sanctionner deux fois. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Pardon. Mais cette situation, elle s'applique jusqu'à l'action de tir. C'est-à-dire que la transition défensive vers la transition offensive, où les arbitres, la zone arrière vers la zone avant, où l'interdit la faute, non, c'est-à-dire que c'est une faute antisportive. Mais dès que le joueur commence son action de tir, donc, en commençant l'action de tir, il met fin à ce critère. Ok, c'est-à-dire que c'est une autre action ninja. Dès que le joueur commence son action de tir, même s'il y a une faute, là, même si je suis une faute avec une certaine rudesse, faute normale, tu listes une faute personnelle, action de tir, s'il marque le palier plus, accordé plus 1, sinon 2 lancers volants. Dans ce cas-là, le critère il doit être s'appliquer pendant toute la transition, le joueur parle à le ballon. Dès que ce joueur commence son action de tir, le critère 3, il n'est plus applicable. On applique les critères à l'action de shoot. S'il y a faute, allez, panier marqué 2+1. S'il n'y a pas panier marqué raté, dans ce cas, il a 2 lancers francs, etc. Dans ce cas, le critère 3, un contact non nécessaire par un défenseur, dans le but de stopper la progression de la montée de balle, il s'est dit qu'il y a une certaine limite. Dès que le joueur commence son action de tir, donc avec le commencement de son action de tir, hop, il élimine le droit, il coule plus une faute antisportive, c'est une faute normale. Là, Houma, si c'est le contact avec une certaine rudesse, ou là, avec une certaine rudesse, je me dis, critère l'appliqué, du moins, le Hukam Djoubouni, je me dis, critère l'appliqué. Dans le cas où tu coules avec une certaine rudesse, donc là, une certaine rudesse, c'est le critère 2, donc là, dernier aller. C'est-à-dire que l'action a dit, si un critère, si le joueur a commencé son action de tir, il y a un contact normal, c'est une faute personnelle. S'il marque le panier, plus 1, s'il ne marque pas, il a 2 lancers francs. Ou là, 3 lancers, 4 tentatives, 3 points, etc. Mais, on a condition que ce contact ne couche avec une certaine rudesse. Vous voulez qu'on a avec une certaine rudesse, donc l'arbitre en a, ou les entraîneurs aussi doivent comprendre, que s'il siffle l'arbitre, s'il siffle les votes antisportifs, il siffle concernant, il applique le critère 2 et non pas le critère 3. Dans ce cas, Qu'est-ce qu'on doit retenir pour la faute antisportive, le critère 3 là. Bon, avant d'abord, attention, les entraîneurs, ça les habite à la banane. Le défenseur là, il peut continuer à défendre sur la transition de jeu. Il peut qu'il défendait sur la transition de jeu. OK. Autre chose, tout contact illégal sur un joueur lors d'une montée de balle, mais pas forcément une faute antisportive. OK, donc une chose là. Donc, toute tentative, tout contact illégal, c'est lorsqu'on dit illégal, c'est qu'il y a contact. Elle devient faute personnelle. OK, contact illégal lors d'une montée de balle, n'est pas forcément une faute antisportive. Aussi, l'arbitre ou l'antenne doit faire apprendre
au joueur sa position défensive légale. Donc d'abord, on doit contrôler la position du défenseur. Alors, premièrement, on doit se demander, le défenseur est-il en position légale de défense? Est-ce que ce défenseur, déjà, quelle fait position légale de défense? Agna, Khalil, le défenseur fait-il un effort de jouer le ballon? Dans ce cas, la situation, les arbitres, même tout le monde, les antennes devaient prendre ça, pas toutes les fautes, il faut nécessairement faute en sportive. Alors, on doit d'abord voir la position du défenseur. On doit comprendre qu'est-ce que c'est que est-ce que le joueur il est en défense légale. Fenien, est-ce que le défenseur avant il a joué le ballon directement. Donc je vous pose la question, je les ai déjà posées. J'aimerais bien que vous avez retenu la leçon. Qu'est-ce que c'est qu'une défense légale? Comment peut-on juger qu'un joueur est en position légale? Je m'en ai répondu les flichettes. Comment peut-on voir que le défenseur il est dans sa position légale de défense? Ok. L'arbitre il doit juger ce critère. Donc, il doit savoir est-ce que le joueur est en position légale de défense, est-ce qu'il a joué le ballon. Donc, je vous ai posé la question, je n'ai pas une position légale de défense. Vous me répondez, les gens ont été allés, j'entends vos réponses. Qu'est-ce que c'est qu'une une défense légale. Allez, Jma, n'hésitez pas, Echarkouni. Les arbitres ou restez dans son cylindre, respectez la règle de verticalité. Z. Face à l'attaquant, les deux pieds. Baraklaw, fixé, Fridji. Tu as bien retenu la leçon. C'est-à-dire que le défenseur, s'il est face à son adversaire et s'il a les deux pieds au sol. Dans ce cas, si un contact se produit, c'est un contact normal. Alors, parce que ce juge défenseur, ça ne veut pas dire que je défends, il doit défendre, non. Mais pour juger la faute antisportive, et si le joueur il est en position légale de défense, et s'il tente de jouer le ballon, c'est une faute simple. S'il n'est pas en position légale de défense et il n'essaie pas de jouer la balle, ça pour arrêter l'action, là, c'est une faute antisportive, l'arbitre doit siffler. Nous lisons la photo avec. Donc, vous avez vu la photo de Bill Winkend, le défenseur. Il n'était pas face à l'adversaire. Le ballon était loin. Donc, c'est un contact sur le côté qui n'a rien à voir. Et c'est un contact qui était le joueur défenseur. Il était en mouvement. McKench en déplacement. Donc, c'est pour ça. McKench en position légale. Les deux pieds au sol, c'est une faute antisportive. Mais si le critère, mais si le défenseur a un double critère de défense légale, il joue la balle normalement, ce n'est plus une faute antisportive, c'est une faute normale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à chaque faute, la transition, c'est une faute antisportive. Si le défenseur il est en sa position légale de défense, s'il joue, s'il tente de jouer la balle, c'est une faute normale que l'arbitre doit siffler. Mais l'inverse, s'il n'est pas en défense légale de défense, s'il joue pas la balle, comme la photo de Schlambel, dans ce cas, maintenant, il n'est pas en position légale de défense. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Le critère 3, d'ailleurs. On a regardé, par exemple, la photo animale. C'est la même chose. Donc, tu vas dans la vidéo. On doit retenir, c'est-à-dire pas d'effort légitime pour jouer directement le ballon. Le joueur défenseur, il n'a pas fait un effort légitime dans le but de jouer la balle. Regardez la photo animale. Aussi, la balle aurait fait la faute. Donc, il n'y a aucune tentative légitime de sa part. Autre chose, arrêter la progression de la transition. Donc, la faute est dit, il arrête une transition. Ce n'est pas une contre-attaque. Quand je vous le jure là, en général, la contre-attaque est terminée chaque fois par un surnombre. Donc, arrêter la progression de la transition. Aussi, le but de la règle est d'éliminer du jeu le contact inutile. Ça, c'est un contact inutile. Donc, le but de cette règle, c'est bien sûr d'éliminer tout contact qui n'a rien à voir avec le terrain. C'est un contact inutile, vous ne pouvez pas stopper le chronomètre, pour stopper une montée de balle, ça ne fait pas beau pour le spectacle du basket. Le basket, vous connaissez le spectacle. Le basket, c'est marqué ou marqué. OK. Mettre fin des actions de panier, pas normal, qui nuisent au spectacle et la dynamique du jeu. Donc, il faut dire qu'il nuise au spectacle du basket et la dynamique du jeu en dehors de l'intention du jeu, c'est-à-dire mettre fin à ces actions.
législateur FIBA observe le comportement. D'ailleurs, tout comportement dans cette situation, il qualifie comme faute antisportive. C'est-à-dire que les entraîneurs, les joueurs, ils doivent se mettre dans la tête ou dans la sanction de la faute antisportive. Il y a une double sanction qu'ils doivent éviter. Si un joueur commet cette faute, il va mettre son équipe en désavantage. Ok. Donc, on va voir ici une vidéo aussi concernant la situation. Allez. Donc, on va voir cette vidéo. Donc, allez-y au chat Adjma et regardez la vidéo. Écoute, le commentateur se pense moins là, c'est la photo. Regardez. La main, t'as la photo, c'est la même. C'est une faute inutile. Dans l'arbitre de Kultat, il n'a pas hésité de siffler la photo antisportive. Aoud de chauffeur Adjma. Chauffeur l'arbitre, là, la lira center. Hop, il n'hésite pas de siffler photo. Voilà, sportsman like. C'est une faute antisportive. Donc, vous avez vu, c'est un contact qui m'a dit. Regardez, du petit coup, je fais la balle au Raï. Dans ce cas, il a baissé la transition d'une équipe, baissé une montée de balle, la maison défensive vers l'attaque. Dans ce cas, le législateur classe, il a requalifié cette faute comme une faute antisportive, c'est une faute personnelle simple. Je ne sais pas si vous avez vu toute la vidéo du matin. Répondez-lui. Sinon, les machins là de je vois. Regardez, répondez-lui, oui, c'est bon. Du matin, c'est bon? Je vais voir. Ah, très bien, merci, c'est comme ça. Alors, on va avancer. Maintenant, le critère 4. Le critère 4, c'est un contact illégal, latéral, par derrière, commis sur le terrain de jeu, sur un joueur qui est en progression, qui progresse vers le panier. Le panier d'adversaire, alors il n'y a aucun joueur entre l'attaquant en progression, le panier, le ballon et le panier. C'est là, on peut parler de la contre-attaque, contre parenthèse. Justement, donc, le Bill-Tonsen s'est indiqué comme une information de la FIBA concernant les nouvelles règles applicables à partir de octobre 2020. C'est-à-dire que lorsqu'on a une équipe qui suppose les circulations de balles, si un joueur dévie la balle, il va ouvrir le panier, il n'est pas considéré comme étant contre-attaque, parce qu'il n'a pas encore contrôlé la balle. Réellement, la balle, on parle de la notion contrôle, elle est toujours contrôlée par l'équipe A. Dévier la balle, ça ne veut pas dire contrôler. Dans ce cas-là, ce n'est plus une contre-attaque. C'est pour ça qu'on ne parle pas de contre-attaque, mais s'il la prend, ou il dribble, ou il devient contrôle du ballon. Maintenant, supposons l'équipe A a circulé la balle, une mauvaise passe, il dévie le joueur vers le panier adverse, il te le joueur n'est pas contre l'attaque parce que l'équipe terrain n'a pas encore contrôlé la barre suivant la notion contrôle du ballon. Dans l'équipe, on dirait que l'équipe A, elle est toujours au contrôle du ballon jusqu'à preuve du contrôle. Quand il contrôle, soit le dribble ou l'Ihma, le critère est correct. Dans ce cas, la sanction à l'Ihma, le critère 4, c'est-à-dire que le joueur qui dévie la balle ou l'air en contre l'attaque, mais qu'on n'a aucun joueur entre lui, le ballon et le panier. Bakri qu'on a le droit à la défense, donc aucun joueur. Ok, c'est-à-dire que le chemin est libre. Il n'y a aucun obstacle bin le panier. Directement, il va attaquer le panier. Maintenant, s'il y a un contact latéral ou la part derrière, à deux faces. Sinon, quelqu'un de face, donc on ne dira pas, il y a un joueur en face à aller. Donc, il y a un joueur bin ou bin le panier. Dans ce cas, le contact normal, c'est une faute simple. Mais la faute, elle est commise latéralement ou là, pas derrière. Là, c'est une faute antisportive. Donc, regardez-moi la photo à vie. Là, elle a intercepté la balle de rouge. Là, il n'y a aucun joueur. Regardez les cinq défenseurs, ils sont dans la zone avant. Dans ce cas, dans la zone avant, il a pris la balle, c'est-à-dire contre lui. Tu fais la flèche rouge. Rouge. Entre lui et le panier, le ballon, il n'y a personne. Même les autres joueurs rouges, ils sont tous là. OK, il n'y a personne. Pour attaquer le panier. Si une faute simple,
c'est une faute antisportive. C'est-à-dire que si un contact est provoqué par la situation à vivre, c'est une faute antisportive. Ce n'est pas une faute simple. Mais le contact, il est simple. Mais avec une certaine rudesse, là, on pourra dire blic, le joueur a commis la faute avec une certaine rudesse, il peut mettre en danger l'intégrité physique du joueur. Non, non, c'est un contact qui est simple, mais la condition telle qu'il était là, c'est que le joueur lui dit la balle, mais qu'il n'y a aucune personne, aucun joueur, entre lui, le ballon et le panier. Si la faute est provoquée par sur le côté ou la part derrière, c'est une faute antisportive. OK? Donc, il faut apprendre aux joueurs de leur dire commettre cette faute qui peut connaître un joueur, le joueur attaquant, avec ballon et le panier. Attention, même si c'est un contact simple, l'arbitre est qualifié comme étant faute antisportive. Donc, les joueurs, faites attention, touchez le joueur par derrière ou latéralement, elle devient une faute antisportive. Ou là, vous allez pénaliser notre équipe avec des lancers valants plus une remise en jeu. OK, dans ce cas, c'est un contact illégal. On a latéral sur le côté, du côté droit, côté gauche, latéral, ou bien par derrière, à condition que l'entre le joueur et le panier adverse, il n'y a personne. Il n'y a ni joueur ni rien. C'est des kiwah de la situation à les regarder. Il n'y a aucun joueur entre lui et le panier. Donc, il a créé un chemin pour attaquer le panier. Si une faute est provoquée, vous regardez bien, c'est une faute par derrière. En ce cas, c'est une faute antisportive. Mais il y a le critère aussi, comme le troisième critère, il s'applique jusqu'à l'action de tir. Dès que le joueur entame l'action de tir, OK, l'action de tir, classe, il est considéré comme étant une action de tir. Donc, avec cette action, il met fin au critère numéro 4. C'est-à-dire que les arbitres, lorsqu'ils jugent que le joueur a commencé son action de tir, donc ils oublient carrément le critère 4. Et s'il y a faute provoquée sur le joueur, si c'est un panier ou un accordé, plus 1, Si le panier est manqué, on a le 2 lancers francs ou le 3 lancers francs en cas de shoot à 3. OK, dans ce cas, ce critère, il s'applique dès que le joueur entame son action de tir. Hop, donc, en entamant cette action de tir, il met fin au critère numéro 4. OK, mais ça, يعني بكبت المحاولة تسديد الكرة بهذه المحاولة هذه يعني وضحت الخاصية 4-4 ما نبليكوهاش نبليكوينيكمو لاكسيون شوت اللهما سي ان كونتاكت رود نعود نبليكو الكريتير نمرو 2 سي با التبانيا حنا نبال دي كريتير 4 لو كريتير 4 هذا جيون لا بيان اكسبليكي ما كان موكا جوار بينو بين الادفيسار سي ان كونتاكت كوتي ولا بار ديريا سي تي فوت انتي سبورتيف بصح الكريتير هذا يوقف في حالة ما إذا اللاعب خلاص بدا المحاولة باش يسدد الكرة نحو الباني ادفيرس دونك كي لا كومونسي ماكسيون سون اكسيون تير في الباني ادفيرس اون نوتامون سيت اكسيون اين مي فان او كريتير نيميرو 4 الحكم ولا صفر فوت اونتي سبورتيف ولا صفر فوت تريست اون فوت نورمال وانا ولا دخلت الكره في السله نعطي له ناكور ديال الباني يزيد له واحد ولا ما دخلتش الكره في حتى ما هذيك المحاوله تاع نقطتين نعطي له زوج ولا حتى ثلاثه نعطي له ثلاثه اوكي دونك هاليك لو كريتير نيميرو 4 سي لا اونتر بارونتيز aucun joueur entre l'adversaire et le panier. Dans ce cas, s'il y a faute sifflée, c'est une faute antisportive. Mais dès qu'il a son action de tir, le critère 4 s'élimine. On applique le critère à l'action de shoot. Le hakim, il a appelé le critère à l'action de shoot. Allahumma gouna, le 4 mouhawala hadi, khushuna, il tabaka alayhi automatiquement, on tabaka alayhi le critère numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? OK, regardez la photo à Dimaya. OK. C'est une faute sur le côté provoquée par le bleu en attaquant vers le panier. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir du critère 4? Pas de joueur entre le joueur qui progresse, le ballon et le panier. Mais qu'un joueur bien tout. Qu'un réel ou le quora ou celle de tal khasm. Contact illégal, que ce soit par derrière ou là sur le côté latéral. Okay, que ce soit provoqué par derrière ou là sur le côté latéral. Ceci s'applique à هذا critère n'applique pas حتى لوين حتى كي l'action de shoot. Donc dès que cela s'applique jusqu'à ce que le joueur commence son action de tir. Donc je vous mets la photo ici. Là le contact indel sur le côté. OK, dans ce cas là les arbitres ils sont obligés de c'est-à-dire que les critères avec le critère 4 là ils sont réunis. Dans ce cas, c'est une faute antisportive. Mais sans le cas de la lab,
il a entamé son groupe, il a progressé, il a entamé son action de shoot. Dans ce cas, on peut aller à l'action de tir. Dans ce cas, si on fait la prochaine vidéo, je trouve le critère là, tu vois, Naya. Allez-y, ça, le chat, vous allez trouver le lien. Regardez, à répétition. Non, c'est un contact latéral. Mais il y a entre le numéro 11 blanc là et le panier, il n'y a personne. OK, hop, c'est une faute antisportive. La faute directe latérale du chauffage. Donc, vous avez remarqué qu'il n'y a aucun joueur bin le blanc, le numéro 11 et le panier. On a deux chevaux répétitions. Donc, il prend la balle, il prend le rond dribble. Le numéro 12 de Colo, il fait une faute latérale. Où l'arbitre, il fait de que directement, il fait une tête, il fait deux directement faute antisportive. Mais chez Adial Amelé, Adali Adali. OK. Vous avez vu la vidéo de Mahar Djouli? Je vais avoir une réponse. Ah, très bien, merci Jamil, merci Ben Achor. Alors, pour le rôle qui est à 5. Le critère 5, il est facile à apprendre, c'est-à-dire qu'il me fait taille jusqu'à l'IA. Il n'y a qu'un contact causé sur le terrain de jeu par un défenseur sur un attaquant lors. Quand le chronomètre de jeu indique 2 minutes ou moins dans le quatrième quart-temps ou toute prolongation. Un contact causé par un défenseur qui coule le chronomètre de jeu le dernier quart-temps ou toutes les prolongations qui coule le chrono 2 minutes ou moins. OK. Alors que le ballon est en dehors, hein, entre les mains soit de l'arbitre ou bien le ballon est mis à la disposition du joueur pour faire une remise en jeu. Donc, le contact, elle a fait les conditions. Contact causé par un défenseur sur un attaquant. Fini dans les 2 dernières minutes du 4e quart-temps ou bien de chaque prolongation. Et que le ballon à l'extérieur du terrain pour une remise en jeu, soit le ballon avec une soin de l'arbitre ou l'un des joueurs, il perd contact. OK. Voilà. Regardez par exemple la photo à dire. OK. Je vous chaleur le chronomètre. Normalement, je vous la vidéo. 4e carton, 1 minute 28. C'est-à-dire qu'il en a moins de 2 minutes. Le contact, il est provoqué. On a la balle, mais elle a un de le joueur. Dans ce cas, le critère, le numéro 5, il s'applique. C'est-à-dire qu'un contact causé sur le terrain de jeu par un défenseur. Donc, le défenseur, c'est bien le gris. OK. Le temps, 2 minutes et moins. Le ballon, mais c'est l'un du joueur. C'est le ballon, il a dit, la disposition du joueur. Donc, tout contact illégal, même si c'est un contact qui est simple, il devient faute antisportive. Les arbitres sont obligés de siffler la faute antisportive. Là, 2 minutes, 4e carton, ou prolongation, la balle, elle est à l'extérieur du terrain, ou bien à l'arbitre, ou l'un du joueur pour faire une remise en jeu. Et si un contact se produit, c'est une faute antisportive. Voilà! Le contact, il y en a qu'un lui dire, les autres, elles répondent, s'il vous plaît. Là, tu fais tout, on a plus les joueurs, ils font la faute, ils font la faute vers la fin. Voilà, j'attends vos réponses. Pourquoi provoquer cette faute? Allez, les jeunes, comment est dynamique? Bon, oui, Zachary, pour arrêter le chronomètre, c'est juste? Allez, je m'assieds de répondre aux listes. Oui, le carrière, il a répondu pour arrêter chronomètre. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Allez, les jeunes, il y a la connu, mais il y a des noms. Il ne crée pas si Hamza, mais il y a un chèque, 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 il y a un chèque. C'est Nadir.
Saïd Deni, je pense, pour le lancer afin de récupérer le ballon. Z. Récupération du ballon. Z. Bien sûr. Z. Bon, très bien. Fachigoulek. Alors, c'est-à-dire que la réponse est à Zouig pour arrêter le chronomètre. Non, le chronomètre ne démarre pas. Dans ce cas, pour ne pas que le chronomètre démarre. Ok, c'est vrai, le sens, non, le chronomètre ne démarre pas. Il est arrêté. Marche pendant le jeu. Dans ce cas, pour ne pas permettre au chronomètre de démarrer, qu'il aura une 28, il y a une 28. Automatiquement, il aura un lancer-franc, c'est-à-dire pour récupérer. Éventuellement, le shooter, ils peuvent récupérer la balle. Donc, pour aussi aller récupérer le ballon rapidement par des lancers, et aussi pour ne pas permettre au chronomètre de démarrer. Maintenant, le législateur qui connaît bien, c'est-à-dire que faites la faute avant de démarrer. Là, le chronomètre. Mais je vais gagner. Peut-être que le joueur va rater le lancer, il va récupérer la balle, on va récupérer la balle, on ne l'a plus le temps. Maintenant, Ne pas permettre au chronomètre de démarrer, il y a une 28 toujours. Aussi, ok, dans ce cas, le législateur il a mis fin à cette pratique. Si c'est une faute provoquée par la situation avec une 2 minutes, 4e quart-temps, où chaque prolongation et la barre est flexible du terrain, et le chronomètre n'a pas démarré, elle est requalifiée, ce n'est plus une faute personnelle, mais c'est une faute antisportive, c'est-à-dire l'adversaire a marqué deux lancers vraiment, vous êtes le corps. C'est-à-dire qu'on a subi deux sanctions. On a attendu les lancers francs, on s'est donné le droit de le corneler. Donc, justement, le législateur, la nouvelle réflexion, ce n'est plus une faute personnelle simple, mais elle est requalifiée comme faute antisportive. Même le contact, il est normal, mais la situation de 2 minutes, dernier carton, de la prolongation, la barre extérieure, puis de la mise en jeu, que ce soit chez l'arbitre ou l'arbitre. هنا ولا كان لي فوت داخل قال دو فين فوت اونتي سبورتيف الو كيس كون دو روتيني لو بوين روتيني ان شاء الله روتيني يقول لك بريميرمون لا ريغل سابليك دون لي دو دينيير مينوت دو كاتريم كارتون اي توت برولونغاسيون الاولى ثانيا لو بالون اي اور دي ليميت فور ان بري دو ميز اون جو à la disposition du joueur ou offensif ou de l'arbitre. La même photo, on a la même chose, regardez la photo. Allez. Ok, mais elle 20 secondes et 3 centièmes de seconde, la balle, rien de le rouge, mais elle est un doux pour une remise en jeu, contactée, provoquée, c'est une faute antisportive. Ok, donc la balle, mais elle est un doux joueur, contact illégal par le joueur défensif, par le joueur défensif, sur le joueur attaquant, avant que le ballon ne soit relâché par la balle. Le joueur qui doit procéder là pour la mise en jeu. Dans ce cas, on a l'arrêt qui s'applique dans les 2 dernières minutes, le 4e carton, le ballon de prolongation, le ballon est hors des limites pour une remise en jeu, que ce soit chez l'arbitre ou bien chez le joueur qui va effectuer la remise en jeu. Et c'est un contact illégal provoqué par un défenseur avant que le ballon ne soit lâché. Ça se fait à la 5e vidéo. La 5e vidéo, s'il te plaît. Donc, je vous le Jamaa, allez, je peux. Alors, c'est pendant les Jeux Olympiques. Hein. Regardez. Je vous le score. Il est de 3 points, mais elle 29 secondes. Hop. Regardez, faute simple. Je vous l'arbitre. C'est une faute simple. 3 points, bien sûr. 3 points. Il y a des gens qui ne comprennent pas la siffler. C'est une règle mentale. C'est les Jeux Olympiques, c'est le haut niveau. Donc, provoquer, faute normale, hop. Même la joueuse, elle maîtrise la règle. La règle, elle demande une faute antisportive. C'est une faute antisportive. Donc, 3 points. C'est vrai, elle a le premier val la ratée, le deuxième val le marqué. Dans ce cas, il y a eu 4 points, plus la mise en jeu. Quelque part, le Canada n'a rien récupéré. Au contraire, attend la France d'augmenter l'écart de 4 points. Et en plus de quoi? La remise en jeu, t'es qui marqué aussi. Là, je vous la vidéo.
Vous avez vu à peu près c'était les conséquences de la faute antisportive. À 3 points, 25 secondes, on peut récupérer la balle et un shoot à 3 points, on peut égaliser. On a la bêtise, donc faute antisportive, faute simple. On a la ligne de fond, on a bête. Faute antisportive, 3 points, 64-61 pour la France. Donc cette joueuse a donné l'occasion à l'équipe de France d'augmenter encore l'écart et a aussi de reprendre la possession et aussi possible de marquer un panier à 3 points, je ne sais pas. Donc, Choupiklo, au niveau même le joueur, ça l'a la réglementation. La balle à 2 minutes, elle a demandé directement faute antisportive. Très bien. Vous avez vu la vidéo de Mar? Ouais, très bien. On va avancer. Alors, je vais vous faire des illustrations. Et c'est bon, les situations qui n'arrivent pas. OK. Alors, Anna. Cette situation de jeu, le critère là-bas, chaque temps, 1 minute 38. Je fais sur l'écran, comme du côté droit, il faut que je me touche bas, le chronomètre indique 1 minute 38 dans la situation. On a qu'un contact causé sur le terrain de jeu par un défenseur sur un attaquant, quand le chronomètre de jeu indique 2 minutes au moins, dans le quatrième carton et toute prolongation. Le ballon est à la disposition du joueur, effectue la remise en jeu. Là, je fais le curseur, la balle elle est là, une remise en jeu. Je fais le côté à la droite, Maya. Regardez la photo Windelt. Le vert réveil provoque un contact, la balle est toujours chez l'adversaire. On refait. Hop, regardez le déplacement. Il va provoquer une faute où la balle elle est toujours chez l'adversaire pour faire une remise en jeu. Automatiquement, qu'est-ce qu'on doit siffler à Najma? C'est une faute. Je ne chauffe. C'est une faute antisportive. Moi, j'ai vu un commentaire finalement Nasser Borel, Nasser. Dans ce cas de siffle, une faute antisportive. Je ne sais pas si vous avez vu comme l'illustration une année. Répondez-moi, je vais essayer de la connexion. C'est bon l'illustration des jeunes. Très bien. Donc, vous avez vu que la balle est là. Regardez la deuxième situation. Donc la même chose, chronomètre de jeu indique 38 secondes. Restant à jouer, le quatrième carton, la prolongation. Alors, lors de 2 dernières minutes, au moins le ballon a quitté les mains du joueur sur une remise en jeu, quand dans un endroit différent du terrain, du lieu de la remise en jeu et administré. Un défenseur provoque un contact sur un attaquant. C'est-à-dire qu'il y a la remise, tout le monde du joueur, mais c'est le contact interne en dehors, parce que c'est le contact interne. Donc, regardez l'illustration. Hop, la balle quitte la main du joueur, elle est toujours en l'air. OK. Il y a un contact, là. C'est-à-dire que le jeu est basé là, le contact interne, là. Je reviens. Regardez, la balle, elle est lâchée par celui qui va faire la remise en jeu. Tu vois le ballon, tu vois, hop. Elle est toujours en l'air quand le joueur défenseur provoque un contact. Rappelez-vous, c'est quoi tu m'as une faute antisportive, la faute simple. J'aimerais bien que vous me répondiez. La balle kharjit mid du joueur. Est-ce que c'est une faute antisportive ou la faute personnelle normale? Allez les entraîneurs. Faute antisportive, t'bouli U, personnel t'bouli P. Bon, pour Afid, on a chopé P, Z, Jilali, P, Z. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la U? Coach Salah, c'est pas anti-sportif. Il y a ta fin, Yannis Hamidi, personnel, parce que c'est Jean l'attaquant. Farid Bou, Farid Habib, là, chaque fois, c'est Farid Habib, là, faut anti-sportif. Lies, personnel. Hamad, anti-sportif, très bien. La situation, justement, du Maha. L'islateur, les interprétations, il va qualifier comme faute antisportive. Où est la faute antisportive, les jeunes? Pourquoi faute antisportive?
J'attends les réponses. Hein. Pourquoi c'est une faute? Bon, ici, il y a quelle faute antisportive? À la faute antisportive. Le temps, c'est 2 minutes. Mais la barre, je te mets pour le joueur. Le jeu se passe ailleurs. Très bien, c'est. Donc, quand je suis simulé à la faute, elle est. Donc, elle devient faute inutile. Rejoue directement le critère 1. C'est-à-dire que c'est une faute qui m'a dit c'est vrai pour arrêter, pour le, pas de, pour le chronomètre, mais démarrer, je ne mets plus chronomètre. Dans ce cas-là, c'est une faute antisportive parce que ce défenseur n'a aucune légitimité de chier le ballon. Le ballon est à l'autre côté. Il est à côté, dès qu'on est à l'autre côté gauche. La faute est derrière là. Dans ce cas, nous l'appliquons avec le critère 1 et aussi on peut appliquer avec le critère 2 il va quand même une certaine rudesse. C'est un contact simple. C'est là, aucune tentative de jouer la balle, c'est pour informer l'arbitre, parce qu'il se fait faute, contact inutile, pour ne pas que le chronomètre démarre. C'est que dans ce cas-là, on applique directement le critère 1, l'islateur fait le halahami, lorsqu'une faute elle est faite loin, dans notre endroit du terrain, même si c'est la balle, quand je te mets dans la condition des 2 dernières minutes, c'est une faute sportive. Ok? Dans ce cas, le joueur a le contact de la séquence. Ce qui se passe, mais je te le dis. Ok. Dans ce cas, la faute d'Elta est loin du ballon. Donc, aucune tentative légitime de chiller le ballon provoque une faute, provoque une faute. C'est un contact inutile. Hop, on applique un critère 1, elle devient faute antisportive. On va avancer demain. Non. Toujours ma illustration, toujours. Il coule qu'un contact causé sur le terrain de jeu par un attaquant. Causé de jeu par un attaquant. Sur un défenseur, quand le chronomètre de jeu indique 2 minutes ou moins. Dans le 4e carton et toute prolongation, le ballon est à la disposition du joueur qui va procéder à la remise en jeu. On va faire voir l'illustration. Hop, je la refais. On a le défenseur là, plutôt l'attaquant, la barre est en hop, il va provoquer un contact. Alors, on a fait 2 dernières minutes. La balle, c'est l'un des joueurs qui a dit la remise en jeu. C'est une faute antisportive, la faute, c'est simple, je 2 dernières minutes, 4e carton. Supposons le 4e carton. C'est quelle faute a dit demain? Cheikh Nasser, il y a deux mouchkis. Bon, il y a une faute antisportive. Si Z demain, faute antisportive. J'ai là une faute simple. Saïdan, il y a une faute antisportive. Faute offensive, si vous voulez dire faute simple, hein, lui. Bon, très bien. Najmara, c'est une faute personnelle. Personnel foul. C'est-à-dire que là, le joueur n'a pas comme aucun intérêt pour mettre des marches chronomètre. Là, on a bien le match. On a bien le match, on a pas le match. C'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt pour dire la faute, pour que le chronomètre mette des marches. Donc, quelle devient faute offensive? Faute simple. Donc, la situation a dit ma cache faute personnelle parce que tout simplement, ce joueur attaquant n'a aucun intérêt pour que le chronomètre ne va pas démarrer. Quel est son intérêt? Ok, mais je n'ai pas de faute antisportive. Je m'assis avec une certaine rudesse. À chaque fois, il m'a dit ça. On a la faute simple. C'est contact normal, c'est un contact illégal simple. Ok, dans ce cas, on a noté le. Comment dirais-je? L'attaquant regarde, il m'a dit que la faute, il m'a dit que la faute, mais dimanche, chronomètre, quel est son intérêt? Pourquoi? Parce que comment on met le match? On ne pas le match dans ce cas. Ce n'est pas logique. Il y a une à la collègue de la. Dans ce cas, c'est une faute personnelle simple à l'égard. OK. 4e illustration. Le ballon, lors des 2 dernières minutes au moins, le ballon a quitté les mains du joueur sur une remise en jeu. OK, on a quitté les mains. Quand on a un endroit différent du terrain, du lieu où la remise en jeu va être administrée ou l'administrée, un attaquant toujours provoque un contact sur un défenseur, une faute est sifflée. Regardez, la balle est chargée, mais le joueur, hop, très bien, hop, un contact s'est produit. Non, la balle est chargée, la balle est en l'air, la balle a quitté les mains. Vous n'avez dit que la balle est toujours dans les mains du joueur. Ok, a quitté les mains du joueur.
lorsqu'un attaquant aussi va provoquer une faute à un endroit différent du terrain, c'est-à-dire la balle, loin du ballon, moi je ne sais pas, faute enfantine sportive, faute personnelle. Bon, il faut personnel, il faut personnel, très bien. C'est le même principe, c'est-à-dire que c'est une faute personnelle dans le sens où l'attaquant n'a aucun mandoula djemel ou n'a pas de mal ou l'attaquant, mais il y a un peu de mal, c'est pas normal l'attaquant dit la faute. Dans le cas où ça rate, c'est une faute personnelle, là on a vécu certaines rudesses, c'est-à-dire qu'on a comme le cas ou le bas le match, c'est tout. Mais c'est des cas qui sont cités dans les interprétations FIBA, on est obligé de les apprendre à nos arbitres et on est obligé aussi d'apprendre ça aux joueurs. Je m'en contestais, je m'en arbitre et je cherche deux minutes, etc. La faute d'être par un attaquant, il n'a aucun intérêt pour dire la faute à lui. Donc, c'est les mêmes critères, si vous voulez, je vais poser, c'est-à-dire qu'on va les discuter des pratiques. Ok, mais rapidement, Marc, il coule avec 53 secondes, restant au chronomètre de jeu dans le quatrième carton de la rencontre. A1 a le ballon dans les mains ou à sa disposition pour effectuer la mise en jeu. Il y a 53 le quatrième carton, le coureur est le Alif Wahed, mais il dit la remise en jeu. Effectue la remise en jeu. B2, l'adversaire provoque un contact sur A2 sur le terrain de jeu. Une faute est sifflée contre B2. Interprétation, qui va qualifier la faute à alors, il est manifeste que B2 ne fait aucun effort pour jouer le ballon. C'est qu'il y a Beina, B2 n'a pas de nier pour jouer le ballon. Le ballon est en train de jouer le ballon. Ok. Pour jouer le ballon et obtenu un avantage en ne permettant pas qu'on mette de jeu. De démarrer. C'est qu'un arachide gagne un avantage quand on met je mets démarrer. Dans ce cas, il met que le B2 n'a fait aucun effort pour jouer le ballon et a obtenu un avantage en ne pas permettre qu'on mette de jeu de démarrer. Là, le canon, on a un peu l'avantage. Parce que l'avantage, il a mis en désavantage l'équipe adverse. Le canon, il a mis l'avantage. Où il y a une faute antisportive. Ok, maintenant, le bâtiment qui est un tas de l'eau, c'est une faute, un désavantage, ou bien la faute technique. Elle a la double sanction. Ok, donc il n'a pas fait un effort pour jouer le ballon. Il veut gagner un avantage. Le canon n'a pas l'avantage. Il va contrairement à part de lancer le reste plus remise en jeu. Le deuxième critère rapidement avec une victoire restant au chronomètre du jeu dans le quatrième carton. La rencontre, le score étant de 92-89. Le ballon a quitté les mains du joueur. A1 sur une remise en jeu dans un endroit différent du terrain, du lieu de la remise en jeu et administré B2 provoque un contact avec A2, tu faut y siffler sur B2. Il est évident que B2 n'a aucun effort ou bien n'a fait aucun effort pour jouer le ballon. Il a gagné un avantage en n'autorisant pas le chronomètre de démarrer. C'est une faute antisportive, doit être sifflée sans avertissement préalable. La faute de Gaïd Al-Kora, Bachemé, Colomat, mais démarrer, l'arbitre a dit directement faute antisportive, mais que le fait est inder. Troisième situation, avec une minute de restant au chronomètre de jeu dans le quatrième carton, le chronomètre, le score étant de 83-80, le ballon a quitté la main du joueur A1 sur une remise en jeu, quand B2 provoque un contact A2. Même adversaire provoque contact avec B2 sur le terrain de jeu, une faute est sifflée contre A2. C'est que la même équipe garde la faute. A1 n'a pas gagné un avantage en commettant cette faute. Une fois que personne doit être sifflé immédiatement. Ok. La gestion, ça c'est pour les arbitres, comment j'ai jugé, comment qualifier la faute, comment siffler la faute antisportive. C'est la gestion de la faute antisportive par les arbitres au moment du sifflet de la faute. D'abord, le geste de la faute personnelle. On a il peut requalifier la faute. Il fait faute personnelle d'abord. Ok. Sans avec la faute, il se fera blâmer, mais sans, il faut qu'il soit statique. Faute personnelle, fraction de seconde, hop, il va faire le geste à la faute antisportive. Faute personnelle, parce qu'on l'a relâte, il garde toujours la faute personnelle, normal. Mais il y a la faute antisportive, quand on a déjà personnelle.
il est plus acceptable. C'est pas faute personnelle. On a déjà voté anti-sportif. Je dois le qualifier. C'est la rue d'Estar. C'est le critère de l'échelle. Donc, geste normal. Hop, je le qualifie faute anti-sportif. D'abord, maintenant, je directement faute anti-sportif. Il se peut que nous pour éviter ce problème. Faute personnelle. Personnel foul. On bat en ce moment like foul. Tu m'as dit le geste est ta faute anti-sportive. Une fois que j'ai qualifié que c'est une faute anti-sportive, automatiquement, je dois indiquer le nombre de lancers francs. Par le bel indicateur, comme tu veux, bzaf, l'Euroleague, les billets, tout ce qui s'ensuit, c'est la faute justement de Rolf Lieres. La visionnaire ou instantané système play. C'est-à-dire qu'un arbitre, la faute anti-sportive, il faut, sauf la faute anti-sportive, il touche le chèque. Il faut la gérer, mais il les moyens. Ok. Et ça fort là, il peut demander de voir l'IRS. Je connais alors l'IRS faire la faute ou le Kouchef. Ok. Il doit avoir toujours deux arbitres et il faut la faute à l'IRS. Si c'est le Kouchef qui fait la faute, il y a un de ses collègues qui connaît un, il faut qu'il soit deux, un autre arbitre sur le terrain pour requalifier la faute. Là, il joue la faute. Là, les arbitres, si c'est une faute personnelle. Donc, il y a un des choses d'arbitre, il va la garder comme faute personnelle, Si c'est une faute antisportive, ou se fera faute personnelle, il y a un des choses qui se fera faute antisportive, il va la requalifier. Là, la vidéo, c'est au jugement de l'arbitre. Donc, c'est pour cela qu'il est demandé le protocole, le siffle de la faute, hop, faute personnelle, hop, il est requalifié directement faute antisportive. Donc, mais là, directement faute personnelle, hop, suivi directement le geste, la faute antisportive. Il peut le requalifier, comme on l'a vu dès le départ, le suivi tout le monde, dans la brique rapide, il peut requalifier la faute antisportive. Là, justement, je demande au centenaire de faire attention à cette situation. Ils doivent porter aide aux arbitres. Là, il y a les arbitres, la gestion de la réaction des joueurs après la faute antisportive, surtout sur le critère 2. J'insiste sur le critère 2, il fait à la situation. Le critère 2, moi je connais le critère 2, je connais répondre, je suis le critère 2, répondez-moi, je suis le critère 2, je suis le critère 2. C'est quoi le critère 2, tu commences à répondre, il répond, c'est fini. On a parlé, on a fait le cinquième critère. On a parlé, il y a cinq critères. Le critère 2, c'est quoi le critère 2? Farfoujain, moi je suis le critère 2, يا جماعة شاركوني نعيت كريتير دو سي كوا ما كاش لي ريبوندي قالتو لي فاش هاي لي جون سي كوا الكريتير دو سي انا عاود نشرح من الاول لا ابارامون ما فهمتوش عاود نشرح من الاول ولا كيفاه تري بيان لو كريتير دو قلنا سي افيك يو سيتان ريدس سجلت اون ريبونس جو في لا فوار Très bien. Et maintenant, il y a un arbitre à la couleur. Au même temps, entraîneur. Dans ce cas, avec une certaine rudesse, le critère 2, il y a une certaine rudesse, les arbitres, les entraîneurs doivent porter aide aux arbitres. Dans le sens où, quitte qu'on ait une faute, une certaine rudesse, tu connais automatiquement la réaction. On vient d'une réaction, un rebelle faible, qui connaît quelqu'un qui a un livre, avec le joueur, celui qui a subi le contact, il connaît un rebelle faible avec nous. Dans ce cas, pour éviter une bagarre générale, les arbitres, les entraîneurs doivent aider les arbitres dans la situation. Ok, c'est-à-dire qu'empêcher la confrontation. Imaginez qu'on a vécu une certaine rudesse. Quand celui qui a subi la faute, il voit, mal les nerfs, la situation tente, le match, l'énervement, etc. Il a bien regardé dans le bas. Dans ce cas, les entraîneurs, s'il vous plaît, vous aidez les arbitres dans la situation. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait une faute avec une certaine rudesse ou une courte réaction à l'arbitre. Ok, à l'arbitre, mais à l'arbitre. Dans ce cas, il faut attendre à ça. Dans ce cas, l'arbitre et les entraîneurs essaient d'empêcher la confrontation. Secondo, empêcher les représailles. Je me couche à l'arbitre, je me couche à vous, empêcher les représailles. Rétablir l'ordre. Je vois le Hanak où tu vois, rétablir l'ordre. Aussi, pour les arbitres, soyez prêts à intervenir physiquement et y compris les entraîneurs. Regardez la photo avec l'arbitre et l'entraîneur. Hein? Les drôles, ils disent ça. Dans ce cas, il faut
à s'attendre à intervenir aussi physiquement, que ce soit pour les arbitres ou pour les entraîneurs, pour établir l'ordre. OK? Le plus important, le cas, c'est bien sûr de calmer les esprits. C'est parce que si on n'intervient pas sur la situation à vie, pendant le jeu, ça peut dégénérer. Ah, là, joueur, j'ai subi un contact rude, il va gérer. Parce que pour éviter cette situation, OK, dans ce cas, il faut être prêt, pour intervenir physiquement, pour mettre face et représailles, etc. Je parle du critère 2 surtout. Donc, on a les sanctions. C'est-à-dire que les sanctions, comment sanctionner? Et un ou deux lancers sont accordés aux joueurs sur lesquels la faute a été commise, suivie de quoi? Suivie d'une remise en jeu, depuis la ligne de remise en jeu, dans la zone avant, avec 14 secondes sur le chronomètre des tirs. C'est-à-dire que les fautes antisportives, dans ce cas, les suivies, on donne des lancers francs, un ou deux lancers francs, plus la possession, l'équipe adverse, avec 14 secondes sur le chronomètre des tirs, la zone avant, le lieu de la remise en jeu, la zone avant, comme elle va l'indiquer, cette photo, regardez Maya. Donc la remise en jeu de la zone avant, au sommet, la ligne des trois points. L'autre, la ligne des trois points. Un prolongement de la ligne des trois points imaginaire. La remise en jeu de terrain après avoir exécuté les efforts, Narja, Zid, la remise en jeu. Non, ce n'est plus la ligne médiane, mais la remise en jeu doit être faite la zone avant au prolongement du sommet de la ligne des trois points. La remise en jeu face à la table de marque, il doit faire la remise en jeu. Non. Ce n'est plus, attention les entraîneurs, ce n'est pas la ligne médiane, mais la remise en jeu de la zone avant, avec 14 secondes sur le chronomètre des tirs. Rouge 24, ou la section sur le chronomètre des tirs. OK, remise en jeu, là, plus 14 secondes sur le chronomètre des tirs. Lors de l'entrée initiale, c'est-à-dire que là, la faute de tête part dans l'intervalle, dans les 20 minutes, automatiquement, le jeu ne va pas commencer par remise en jeu, mais par quoi? Pas un entre deux, la rencontre 10 mètres d'après un entre deux. Même s'il y a un anti-sportif qui shoot les lancers francs, lors du commencement de la rencontre, elle va commencer par un entre deux, au rang central. Dans le seul et unique entre deux, le rang central, le jumbo. Donc, nombre de lancers francs accordés aux joueurs. Si la faute est commise sur un joueur qui n'a pas, qui n'est pas en action de tir, il a deux lancers francs. Comme je vais le dire rapidement. Si la faute est commise sur un joueur en action de tir, le panier compte. S'il est réussi, il a accordé plus un lancer franc supplémentaire ou un supplément de lancer franc. Si la faute est commise sur un joueur en action de tir et que le panier n'est pas marqué dans le panier raté, si c'est une action de 2 points, on a 2 lancers francs. Si c'est une action de tir à 3 points, on a 3 lancers francs. Alors, on a fait attention, le joueur doit être disqualifié pour le reste de la rencontre s'il est sanctionné de quoi? S'il est sanctionné d'une faute antisportive plus une faute antisportive, c'est-à-dire que si le joueur, pendant le jeu, il va écoper, s'il écope deux antisportifs, ce joueur doit être disqualifié du jeu. Quel disqualifié? C'est-à-dire que l'arbitre invite ce joueur à quitter le terrain. Mais il n'y a même pas le banc, je dis. Que ce soit le vestiaire ou les rires, ou le darab. Mais il faut disqualifier avec rapport, etc. Le joueur allait peut jouer la prochaine rencontre. Sinon, game disqualifié, il est exclu du jeu. Il ne va pas jouer, il ne va pas continuer à jouer. Et aussi, il ne va pas s'asseoir sur le banc des remplaçants. Il va quitter carrément la salle. Il va investir dans l'équipe de home ou bien il va derrière. On a tendance de faire laisser ce joueur. Les entraîneurs, justement, il faut comprendre une chose. S'il est disqualifié, maintenant, je dois lui faire les buts. Des fois, il y a une tolérance de la part des arbitres qui ont le reflet des buts. OK. Des fois, si vous voulez dire, mais chacun l'arbitre, il a le droit de demander à ses services d'ordre de le faire sortir de la salle. Justement, ça, des cas où les entraîneurs, il y a le reflet des buts. Je vais le reflet des buts. Il y a mais des fois, je suis désolé. Dans l'argumentation, tu peux dire que ce joueur doit rester ou bien dans le vestiaire ou bien de quitter carrément la salle. Mais je ne suis pas reflet des buts. Nos arbitres, même qui ont laissé ce reflet des buts, mais si, parce qu'il y a. J'ai toujours demandé aux arbitres actuellement de ne pas laisser sauter les buts parce qu'il est toujours énervé, surtout la face à l'équipe de terrain. Mais là, je suis tranquille. Donc, nos amis entraîneurs, dans le cas où l'arbitre a toléré ce joueur à rester fléter les buts, s'il commence à faire des bêtises, l'arbitre il a le droit de le faire sortir. Ou il y a quelqu'un qui dit les meilleurs, c'est que la partie, tu vas être perdant. Parce que la réglementation de ce joueur doit quitter le terrain.
Dans ce cas, si vous avez un joueur philippin, donc Ahmad dit qu'on demande lui de rester calme, il est là, il peut l'affirmer, mais il ne peut pas faire ça. Parce que le règlement est qu'il doit quitter le terrain. Ok, les jeunes. Aussi, une faute antisportive plus une faute technique. Le même cas, s'il est comme d'une faute antisportive, par exemple, le premier carton, il va y couper une deuxième fois une autre faute technique, une faute technique, le deuxième carton, donc le cumul, donc le. Dans la faute antisportive, plus la faute technique, il est aussi disqualifié du jeu. Ok, donc une faute sportive, une faute technique combinée, c'est une faute. Le joueur il doit quitter le jeu, bien disqualifié. Le même principe dans la première, de faute antisportive. Donc faute antisportive plus faute technique, il est disqualifié du jeu. Aussi, deux fautes techniques, il est disqualifié du jeu. Donc après ça, le joueur. La situation peut vous porter préjudice. Surtout si c'est un bon joueur, l'imlech. Donc, s'il va écoper deux fautes antisportives, il est disqualifié du jeu. S'il va écoper deux fautes antisportives, une faute technique combinée, il est disqualifié. Si c'est aussi deux fautes techniques, il est disqualifié. Donc, essayez de maîtriser la situation avec les joueurs Takoum pour ne pas tomber dans le piège, il va être disqualifié. Le joueur, il est trop, il doit savoir vite si les fautes, il va les avoir pendant le match, il est disqualifié. OK? Non, c'est ce qu'on demande aux arbitres. Les arbitres doivent interpréter la faute antisportive de façon cohérente et constante tout au long de la rencontre et juger seulement l'action. Ok, c'est-à-dire que cet arbitre, grâce au terrain, s'il juge un antisportif la première seconde, ce critère, ce jugement doit rester jusqu'à la fin du quatrième ou bien de la prolongation. Le critère, il y a 10 mal le même. Le jugement, il y a 10 mal le même. Parce que là, on ne peut pas imaginer que le premier carton se fasse une faute antisportive, la deuxième, ou le même carton, le deuxième carton de la même action, les similaires, les identiques, pour l'équipe adverse, l'arbitre se fera faute personnelle. Ce n'est pas logique. Donc l'arbitre doit garder les critères à dos et doit les maintenir, surtout de maintenir son jugement dès le départ de la rencontre jusqu'à la fin. On laisse faire une faute antisportive la première seconde, le critère est là, on laisse son jugement là, doit rester jusqu'à le même jugement, va se porter toutes les actions similaires pour la faute antisportive. Voilà, merci Djemat Lekher, voilà ce qui est de la faute antisportive, et merci de votre, je veux dire, Hassan, les sera ou le Hadouk Mounakash, Inch'Allah. Merci Kamal. J'espère que beaucoup de nos collègues vont pouvoir suivre autre chose. Donc déjà, je crois qu'il y a deux questions qui ont été, deux mains qui ont été levées. Donc Farid Mdaoud, Boul Mdaoud. Monsieur Farid Mdaoud, vous avez la parole à la question. Si Farid, c'est même quand bien un chouf ou quoi? Salam alaikum, cheikh. Si Farid, ça va, ça va. Bien. Cheikh, le vidéo numéro 3. Est-ce que Cheikh Kin l'arbitre qui siffle la faute عادي مثلا de lancer mais il demande juste passage ou il demande une technique ou la حاجه عادي يا شيخ عندك فريق سؤال تاعك ما شوف في التروزيام في التروزيام كريتير اوكي التروزيام كريتير c'est-à-dire que c'est la montée de balle voilà ها c'est très bien هنا ونالكم سيطادي كلو ديفونسور يدفي اوكان ايفور باش يلعب بالكره قال لا فوت باش يحبس لا مونتي دو بال اوكي هنا بكري هذه السومه ديالتون 2014 بكري كانت فوت عاديه هنا المشرع في الفيبا نحى هذه اللعبه هذه مع يعتبر لعب سلبي خطا سلبي يعني ما ينفعش كره السله انا كره السله فيها طلب الحيويه والمهم السبيكتاكل حاجه جذابه هنا كي تندير لا فوت هذه الجوار دار لا فوت باش يحبس كرونومتر قلت لكم دي فوا مام يدير لا فوت يرف يدو زعما اللي دار خطا هنا المشرع خلاص نحى الكريتير هذا نحى هذا اللعب السلبي
رجعها فوتو تي سبورتيف على باسك الحكم اللاعب ولا المدرب تاع اللاعب يخمم بليك في حاله ما اذا دار خطا في الحاله هذه راح يسبب خطر للفريق تاعو. علاش راح يعطي رميه حره للفريق الخصم والفريق الخصم هذا ثاني راح يزيد يدير كره دونك انا سي تي دوبل عقاب تاع ذو حدين دوبل سانكسيون دونك مي ريان امباش لو ديفونسور ولا كان اون بوزيسيون ليغال دو ديفونس ou provoquer un contact tout en jouant la balle, c'est ce qui permet de faire parce que le joueur a le corps. Ou quand en position légale de défense, c'est le critère les arbitres doivent faire attention à les positions légales de défense, il a joué la balle, c'est une faute normale. C'est que le défenseur a le défenseur, il a le défenseur. Voilà qu'il fait que le défenseur, يعني خطا حتى معنى باش يحبس الكره باش يحبس الهجمه هنا يعتبر خطا غير عادي المشارع رجع فوتونتي سبورتيف راح يسبب خطر للفريق تاعو ولا ممكن باش راح يتلقى سبع نقاط اوكي سي تا ديك تونتاتيف تاع 3 بوينت باغ اكزومبل المهم فيها خطا انا ما كان تفضل سي بون سي فاريت فيك لا فيك الشيخ تعيش ربي يصلك صحيت مادموزيل بهجه مادي بهجه ماشي ان برينوم بيان شي نو صح خالد مادي حنا خدمنا على خالد مادي لا لا بهجه سي ان بو برينوم شي نو لا كابيلي اكزاكتومون بهجه الجي المجال انيسا محلج انيسا بهجه نو سفيان ما كانش ولا شيت صاي هنا بصراحه سي بيان دافوار اون كونجونطون زافي هاي دافينا بولاين وقيلا دوني نصر رجع عندك بون غوفيندرا بجا نصر اسكي يا دي كيسيون هل الميكرو تاعك نصر يا سي نصر نسمعوا صوتك كريم ما سمعناكش اما فيديو نشوفوك نصر صافي بليزير دو تافوار parmi nous exactement donc là je il a écrit quelque chose je sais pas si c'est en relation à ce que tu as حل تفضل نصر ايوا نصر تفضل apparemment عنده مشكل مع الميكرو ديالو Donc, il faut que justement, moi, je parle des situations que j'ai vécues où décaparer l'arbitre est dépassé. Donc, je ne sais pas à quelle situation il fait allusion. Ahmed, il s'est dit que le portable ou qu'il m'a dit. Saïdani. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Le cours est Voilà, j'aurais une question en retenant la faute anti-sportive Hadia. Bon, s'il y a deux fautes, genre c'est une disqualifiante, c'est ça? Du jeu. Il est disqualifié du jeu, exactement. D'accord. Mais il y a des fautes anti-sportives qui peuvent être disqualifiantes directes. Moi, je vois que dans ce cas, ce n'est plus une faute anti-sportive, c'est une faute disqualifiante. Mettre en intérêt, genre, oui, très bon. Moi, je dis, c'est ça, d'ailleurs, là, je suis 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 là, C'est-à-dire que si la faute elle est, si la faute elle avec une grande rudesse, elle dépasse la limite, l'arbitre il peut siffler directement disqualifié, ce n'est pas un petit sportif. Même d'ailleurs, il peut même la requalifier, il peut siffler à qui se fera. Ok, à qui se fera directement plutôt. Comme ça, le plus important dans qu'elle devient le caractère, le statut à ce n'est plus faute anti sportive, mais c'est une faute disqualifiante. Il quitte le terrain. Pour la faute disqualifiante, elle va faire des rats pour y être suspendu, etc. C'est pas comme la faute lorsqu'il est comme deux. Si on le sujet là, fait le sujet exactement après. Genre, si il met genre le joueur, je sais pas, il est blessé gravement ou là.
est-ce que le joueur qui a commis la faute, est-ce qu'il y a une suite après? C'est ce qui m'intéresse. Chauffe, si c'est une faute très grave. OK, Anna, je fais bien maintenant, je responsabilise la but, Donc, si c'est une faute, ça fera anti-sportive, normal. Si c'est la deuxième faute, la première faute, mais faute, il y a la balle à l'arbre. Si c'est l'équipe, il va écouper d'une deuxième faute anti-sportive, est-ce qu'on a un game disqualifié? Il est disqualifié du jeu. C'est qu'il n'a pas le droit de continuer à jouer, même il doit quitter même le terrain. Mais il ne met pas le bon des remplaçants, comme celui qui a fait par exemple, 5 fautes, il a le droit de rester. Là, il n'a pas le droit de rester, il doit quitter le terrain. Il va la salle d'yalou ou il va le vestiaire, comme il dit le règlement. Ok, donc si c'est une faute avec une certaine il met en intégrité l'intégrité physique du joueur, là, c'est pas normal de ne pas siffler une faute disqualifiée. Point. Mais est-ce que après il y a une suite? Là, comment qu'une suite? Le canon a sorti le terrain. Point là, macan. C'est tout. D'accord. Merci. Avec ça. Nasser Bouraïn toujours à l'écoute. Il peut ou il ne peut pas? Nasser Bouraïn. Non. كمال وي خويا صاليو صافا وانا نسمعك طري بيان واش راك صافا خويا نونو اسكو كو فوزي اكسبليكي اون سو مومون سي فريمون اغريابل اي سي جوست مي مالوروزمون سكون رونكونت سو لو تيران سي كاريمون ا كوتي كومون فوزي اكسبليكي ميرسي اوكي مسيو بوراين لاش نقول لك سا سي لا ريغل Elle est applicable pour tout le monde, c'est-à-dire que comme la dernière fois, le règlement. C'est vraiment quelque chose de clair et net. C'est-à-dire que. Est-ce que c'est dû Kamal, est-ce que c'est dû aux arbitres qui. Qu'on rencontre quotidiennement, qui mettent pour le clair Est-ce qu'ils maîtrisent dans la situation ou bien c'est l'information qu'on se retrouve dans des situations que je ne peux pas vous décrire. Non, chauffe. Si les critères, c'est que ça sera, des fois c'est vrai. Le coach et l'arbitre. Des fois, moi je responsabilise ça, des fois. C'est la question. Des fois, de l'arbitre, c'est-à-dire que c'est anormal de ne pas maîtriser la règle. Quoi qu'il veuille, je vous dis, comme là, tu fais le premier cours, tu as un contact illégal. Je vous ai dit, la réglementation elle est faite d'abord aux entraîneurs et aux joueurs, après aux arbitres. Voilà, j'ai donné l'exemple, tu as le code de la route. Le code de la route, là, il est fait pour les conducteurs. S'il fait une infraction, le policier, il verbalise. Donc, le policier, c'est l'arbitre, c'est la même chose. Là, c'est la situation, là, moi, je dirais, les deux sont responsables. Même l'entraîneur, des fois, il n'utilise pas la réglementation. Bien qu'on sait des fois, même les entraîneurs sont responsables des situations où l'arbitre il siffle une faute antisportive réelle, l'arbitre, l'entraîneur est contesté. Ou des fois l'inverse aussi, l'arbitre il siffle pas des fautes antisportives réelles, ou là il siffle des fautes, faute normale, il siffle la faute antisportive. Là, les deux côtés sont responsables. Mais la réglementation est claire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Adel Louis Benel est actuellement, c'est ce que j'ai dit dernièrement, les arbitres à Saint-Écarochène, au Khair Lekoum. Le Covid, là, il nous a rassemblés, on fait des séances particulièrement périodiques, chaque deux séances par semaine, on se rencontre, on discute sur des points de règlement. Alors, si c'est l'arbitre qui siffle une faute simple, ou il la qualifie comme faute personnelle, là, je ne sais pas, là, je ne peux pas me mettre à sa place. Les critères, ils sont clairs. Ok, même, donc je dis, même des fois, des entraîneurs, ils ne maîtrisent pas la réglementation, ils contestent pour contester. Et ça peut dire. Et ça peut dégénérer. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai dit, les deux sont responsables. Si c'est la méconnaissance des entraîneurs, donc ils sont responsables de ce qui se passe. Si c'est les arbitres aussi, ils sont responsables. Et si c'est à eux de gérer la situation. Voilà comment je peux te répondre, Fouyana, ça.
Donc, je t'entends pas, ça se coupe là, Sarah. Eh oui. Ça se coupe là, Sarah. Ah, quand même. Oui, Nasser. Tu m'entends, s'il te plaît. Donc, là, Nisma. Donc, la faute est partagée en trois. Oui, oui, c'est-à-dire que... Alors, on parle du conflit, on parle du conflit. Le problème, c'est bien sûr, c'est la maîtrise de la réglementation. Nathès, Manassar, n'attique un exemple, Barka. N'attique un exemple où la Tchifalou, la finale Coupe d'Algérie, la Tchifalou, la Djima, Adjina, Elis, Fien, etc. L'océan, qui est Jafar Mahali, Rabbi Rahmou, Stawali, qui est aussi Majid Amra, Stawali. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la balle? Ils ont gagné un point, un maximum de points. Il y avait une erreur rectifiable. Une erreur rectifiable où la balle est dans l'océan. Où le canon, la règle l'erreur rectifiable, on shoot les lancers francs, la balle revient à l'équipe qui est dans la balle. La balle est dans l'océan. Et bien, figure-toi, Nassar, ils ont shooté les lancers francs, le rebond direct, le mise en jeu. Quelques secondes, là, c'est le match. Donc, si c'est les arbitres, ils ont fait l'erreur. OK. Mais si les entraîneurs, ils connaissaient la réglementation, ils ne vont pas se laisser faire. Parce que là, partout, les arbitres qu'on a fait tirer, on se disait, qu'est-ce qui se passe? Soit les arbitres, ou là aussi, les entraîneurs, quelqu'un de Jafar, Pierre Hamou. Quand je joue, quand on a fait le bon touche, Jafar, Mali. Là, aussi, le manager, quand on a fait le terrain, ils sont responsables aussi de la défaite de leur équipe, dans le sens la non-connaissance de la règle. Les arbitres, ils ont fauté. Ou Manu Kanjou, ils font la réglementation, mais ils ne vont pas se laisser faire. La partout, ils l'ont. Ils avaient à mesure 5 secondes, 6 secondes. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, les entraîneurs ont les réserves techniques. Ils ont des erreurs techniques. Les réserves techniques. Mais les réserves, ils ont un point ou deux points. Nassar, dans ce cas, qui va jouer donc c'est une responsabilité. Si, moi je dis bien, si l'arbitre, il chauffe un contact rude, ou même ce proche antisportif, là, si je pénalise directement, il doit responsabiliser. Si c'est un contact rude, ou l'un, deuxième critère, le premier critère, troisième critère, que l'arbitre a sifflé juste, ou que l'entraîneur a contesté, là, je pénalise, je verbalise aussi l'entraîneur. Dans ce cas, ça, c'est la connaissance des règles. Ben, c'est pour ça que les pénalités sont très importantes, que ce soit au niveau de la CFAMS, les arbitres, ils doivent nous avec les entraîneurs. Hanafanik, on a invité nos arbitres à assister à ce genre de réunion dans les entraîneurs aussi. C'est la nouvelle philosophie de l'arbitrage, comme je l'ai expliqué bien avant. L'arbitre aussi doit connaître le système de jeu. L'arbitre doit connaître la trappe, il doit connaître l'individuel zone, etc. Il doit anticiper le jeu, doit lire le jeu. Dans ce cas, les UBNRADO, ils sont vraiment bénéfiques. Et les NHNA, le corps des arbitres, et aussi le corps des entraîneurs, mais les conférences. C'est aussi les conférences de la BDF. On est en train d'expliquer des points de règlement que les entraîneurs aussi doivent maîtriser. Voilà, c'est, je pense que j'ai répondu à ça. Donc, c'est des situations propres à l'arbitre et propres à l'entraîneur. On a une réglementation qu'on doit appliquer. Merci, Kamal. Kamal, je voulais voir, si vous permettez d'intervenir. Kamal, tu as dit, tu avais posé une question tout à l'heure. Disons la position défensive, la meilleure position défensive, la position légale la position, voilà, le terme juridique, c'est la position légale du défenseur. Nos entraîneurs de jeunes, êtes-vous assistés pendant vos entraînements au moins une fois par semaine par des arbitres confirmés? Êtes-vous assistés pendant les entraînements? C'est pas facile, allez, balayer. Mais toujours est-il, il faut essayer de ramener des arbitres confirmés pendant vos entraînements, pour essayer de donner un maximum, parce que cela fait partie de la formation. M. Hamoutin, tout à l'heure, il avait parlé de la formation des joueurs, et des entraîneurs et des arbitres, et l'un ne va pas l'un sans l'autre. La formation, elle est unilatérale, elle est adjacente, elle va toujours vers le développement du basket. Donc, la formation du jeune basketteur, Falsrer, il dit un autre langage, une autre personne. Le modèle avait dit, mais les appuis, le cylindre, etc. Et si c'est une autre personne d'un autre langage, il vient conforter ce qu'a dit l'entraîneur. L'enfant qui a encore dans sa conscience encore une page blanche, des acquis. Donc, il faut se faire, je vais encore dire ça, il faut
stratosphère, assisté par des arbitres chevronnés, des arbitres, des arbitres qui ont quand même une certaine compétence dans le cadre de votre formation des jeunes basketteurs. Voilà, je voulais parler de ça. Mademoiselle Madi Badia, apparemment, elle ne veut pas parler, mais elle a posé une question. Alors, comment juger double faute antisportif chez les non-porteurs de balles? Alors, il y a une seule situation. Si c'est un contact rude, pas plus. Parce que là, les autres critères gaffent le ballon. Même le ballon. Donc, s'il y a un contact rude, donc, il y a la limite de la disqualification. Donc, c'est un contact caractéristique. Donc, c'est vraiment la faute antisportive, c'est-à-dire que le joueur son ballon est démarré, il est par exemple. C'est une faute antisportive. Mais si c'est une agression dans le groupe de Bzaoul, là c'est une disqualification, c'est une agression caractérisée. Mais les démarrages individuels, un joueur, j'ai demandé la balle, si je le retiens, le type de tirico diallo, le type de mes dos, ou le faire même un croche-pied, c'est une faute antisportive. Voilà comment on peut. C'est un contact rude. Ok? Ou là, avant la remise, c'est une faute non nécessaire pour arrêter le chronomètre. C'est autre chose. Hein. Je parle du deuxième critère, pendant le jeu. Pendant le jeu, voilà comment siffler une faute antisportive sans ballon. Mais vous n'avez les deux dernières minutes, la balle chez le joueur, remise en jeu, il y a faute provoquée, contact, certes, c'est une faute antisportive. Mais pendant le jeu, c'est un contact avec une certaine rudesse. Okay? Sinon, c'est une faute, même son ballon, si c'est un contact normal, c'est une faute normale. Parce qu'il est appliqué à uniquement le critère 2. Voilà. Merci, Kamal. Coach Salah. J'aurais aimé que El Badia nous gratifie sa belle voix, mais elle n'a pas assez d'hésité. Alors, Coach Salah. Oui, Ismaël. Salam alaikum, Cheikh Kamal. Bon élève, Salah. Vraiment, Olara. Ça donne toujours envie d'écouter les règlements, les nouveaux règlements qui vont être à l'arbitrage. Ça nous intéresse toujours et vraiment c'est intéressant pour les entraîneurs, surtout pour apprendre les différentes phases qui se passent sur le terrain et pour les jeux. Donc j'ai deux petites questions. La première, par exemple, si c'est Kima Koltentaya, ça se passe les deux dernières minutes ou bien avant les deux dernières minutes. S'il y a, par exemple, une remise sur côté et au même moment où la remise elle est faite, il y a la prise de balle par l'attaquant. Il y a la tentative de tir. Dans l'autre côté du terrain, il y a une faute antisportive d'un joueur sur un autre. Donc, d'un défenseur sur un attaquant. Le panier rentre. Donc, le panier est normalement, le panier est accordé. Oui. Si je ne me trompe pas, oui, le panier est accordé. Et la faute antisportive est accordée aussi. Bien sûr. Donc, c'est les 3 plus 2 plus récupération de balle. Bien sûr. Voilà, c'est juste ça, c'est une question que j'ai répondu. Voilà, Claude. Tout en mon honneur. Merci. La deuxième question, sur le critère 2, je crois, quand le joueur, par exemple, il y a une interception sur une transition, il y a une interception, et puis il va au 3 plutôt. 4, voilà, critère 4. Donc, il y a l'interception, une subtilisation de balle, le joueur part en attaque seul. Il y a le défenseur qui est plus rapide. Donc, il part plus rapidement que l'attaquant. Ça veut dire qu'il va se retrouver à sa zone de défense avant que l'attaquant n'arrive. Ça ne serait pas un contre un. Donc, si la faute elle est commise avant que le joueur n'entame la double semelle ou bien le tir en course, ou bien le tir simplement, ou bien on compte comme étant une faute antisportive. Il y a eu un dépassement. Ça veut dire que le défenseur s'est mis entre le panier et l'attaquant qui part en contre. Très bien, moi je te repose la question, tu vas trouver la solution. Le contact, le contact. Quand il y a eu l'interception, donc, par exemple, le défenseur il a intercepté l'arrière alors que les lignes se trouvaient à proximité. Il s'est replié rapidement là parce qu'il a vu que son arrière il a perdu la balle. Question, est-ce que la faute est sur le côté ou la latte ou la part derrière? Non, c'est, la faute elle s'est faite face, parce qu'il ira, voilà. Très bien, très bien. Dans ce cas, le critère ne s'applique pas, c'est faute normale. À la passe, c'est une faute avec rudesse. Très bien. Ou là, la faute elle est sur le côté, ou là par derrière. Si le joueur se place en face, dans ce cas,
il y a un joueur entre l'attaquant et le panier. Le critère 4, il ne va pas être appliqué. Là, où il y a la faute avec le soutenir du Deslam, le critère 2. Voilà, si c'est une faute normale, faute normale. Et parce que j'ai eu cette situation dans une Coupe d'Algérie, alors il y a eu des. Ce n'est pas une contestation, je voulais comprendre. J'ai mon joueur qui est plus rapide que l'attaquant. Parce que l'attaquant, c'était un, bon, disons, un pivot. Enfin, un pivot qui il est lent. Voilà, il est lent le dribble. Et j'avais un starter qui est parti, paf, il s'est mis, et l'autre, il a basculé avec toute sa force. Bon, je ne dis pas non, c'est une faute, ok. Mais de là à appeler à une faute antisportive, non. Je lui dis, il est arrivé, non, c'était dans un match de coupe. Vous savez que le match de coupe, chaque point, il a son importance. Donc, heureusement qu'il a raté les lancers. Voilà. Devenu. Nia, gloire, bénie. Merci, Sheikha. Avec ça. Ok, merci, Salah. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Donc, les interventions, je connais là. Filali. Fadal. Babek. Filali, ouvrez-nous, Jack. Démarre la caméra, Filali. Bien sûr, démarre la caméra. Aïe, voilà. السلام عليكم. صباح الخير علي. كيف راك شيخ؟ الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. الحمد لله. الله يربي عنك شيخ. الله يحفظك. ان شاء الله. يا شيخ انا حبيت بون شيخ انا جو سوي مومبر فونداتور دي اسوسياسيون تاع اتليتيك كلوب دالجي اللي دوك بالك سمعت بها وانا في كونفونسيون افيك لا فيديراسيون جيريان دو باسكتبول. لاسوسياسيون كي في تو نحن نديرو كل عام في الصيف تورنوا تاع 3 كونتر 3 شيخ وي. اذا شايف ابي بخي ايه فازي صح العام اللي فات ديجا انا او في بون لا بروميير اني ولا دوزيام لا بروميير اني ولا دوزيام اني درنا تورنوا هذايا جاست بيان قدام مي اون افي ان بروبليم داربيتراج ما كانوش عندنا دي زاربيت وكيفاش نفهمك لي زاربيت كنا نديرو كنا حنايا جو المتطوعين نديرو حنايا دي جوار والاخر كون جي سو انا جوار اونترينور كنا نديرو حنايا حنا نربيتريو لي ماتش اي دونك اون افي دي ديفيكولتي بارابور اباك لو ستاتو دان اربيتر شغل ماشي كيما يكون واحد جوار يربيتري فهمتني يا شيخ تفضل فهمتك صح او بصح العام اللي فات جا مسيو غايب لي نتحيه وجا له التحيه و ايمان تهمي جات دارت لا اربيتري با مال دو ماتش فاتح ثاني بوكو بلوس لي ماتش ديفيسيل انا حبيت نعرف اسكو ايليا دي كيفاش il y a des formations تاع لي زاربيتر تاع 3 كونتر 3 شيخ باسكو ما باش اسكو يكون عنده ريغليمون ابارامون ريغليمون وحده كيما 5 كونتر 5 فهمتني شيخ حبيت نعرف اسكو يا دي فورماسيون pour l'arbitrage 3 contre 3 في الجزائر و اسكو il y aura prochainement parce que il y a pas mal d'arbitres qui m'ont posé cette question là et je vous la repose. Merci, Sifilali. Je vais vous dire qu'il y a un projet qui va avoir formation à 3 contre 3 pour les arbitres. Je vais vous dire que la semaine passée, dans la formation à FIBA, il y avait 24 arbitres. Oui, c'est des arbitres là, qui sont arbitres déjà. Dans la formation à FIBA, ils ont même attribué des certificats à FIBA. Même ils se préparent pour garder l'international. Mais on va faire des formations. Arbitrage 3 contre 3, quoi qu'il y d'abord, priorité c'est normal, puisqu'il va avoir un niveau, c'est nos arbitres d'abord. Donc pour les débutants, ça va être belle qu'on va lancer ça parallèle à l'E-League. Il y a un projet, j'ai vu maintenant l'E-League, même un certain correspondant, parce que bien qu'on s'en est le président de la commission 3 contre 3 aussi, je suis le président de la commission 3 contre 3. Il y a un ami, Abdelrahman, qui est en France, qui est en train de faire la commission.
On a un projet, il va avoir des formations, ça va commencer par le BD League, tu as compris. Donc, il t'habite des formations dans la Ligue TAC. Avec les débutants, il va avoir dans le plan d'action, dernière, la formation 3 contre 3, c'est Félix Mskacharas. Ça fait qu'il y aura des formations prochainement, Inch'Allah. Ah oui, il y aura. On a même notre sujet au futur, il va avoir la spécialisation. Ah, et voilà, la spécialisation. 3 contre 3, 5 contre 5. Mais actuellement, ça n'empêche pas 5 contre 5 à habiter 3 contre 3. C'est vrai, les règles, il y a 15 règles sur le canal 3 contre 3. Qui sont cités au règlement 3 contre 3, mais toutes les règles coréennes, elles sont appliquées à 3 contre 3. Les règles, c'est-à-dire que les règles, les règles, les règles, les règles, 3 contre 3. Toutes les règles vont être appliquées. J'ai pas compris. Le canal 3 contre 3, 15 articles. Il y a 15 articles sur 3 contre 3. Qui sont spécifiques uniquement 3 contre 3. Mais ça ne veut pas dire que les règles, donc l'imam, on fait 5 3 contre 3, tu as 5 contre 5, il t'applique. Par exemple, le marché. Rachel Makesh fait 3 contre 3, la règle, les 15. Mais il applique le marché. 3 secondes, il applique 3 secondes. Tu comprends? C'est vrai, ça. Voilà. C'est vrai, c'est des nouvelles. Voilà. Mais il y a des règles qui sont spécifiques, je vous dis, qui sont spécifiques à 3 contre 3, qui sont pas le. Par exemple, 3 contre 3, qui choutit un tir sur la zone à 2 points, à 55, il est compté un point. Sur la zone à 3 points, sur le 5 contre 5, c'est 3, sur le 3 contre 3, il devient 2 points. Ou les 24 secondes, Balaktanik. C'est 12 secondes. 12 secondes, Ayullah. Ou le temps de jeu, sur le 3 contre 3, c'est 10 minutes. Mais si une équipe te marque le premier 21 points, il y a l'interbar. Supposons 7 minutes, une équipe marque 21 points, là, ce match, si l'équipe marque 21, elle gagne le match. Ah, d'accord. Les joueurs, c'est-à-dire qu'il cache 5 fautes. Il peut faire autant de fautes. Barakallahu fik, c'est vrai. Voilà, donc, mais deux fautes antisportives, il est exclu du tournoi. Du tournoi, ça, du tournoi. C'est-à-dire que le premier match, mais je gagne le tournoi. Mais ah, il voilà. Là. Le reste du tournoi. Ou ma cache une maison, je cache un kickball. Ça, c'est des règles spécifiques. Ma cache entre deux, il chauffe une femme en panier. Il y a 4 joueurs. Trois fois le terrain, on a un entraîneur. Le 3 contre le mari Zontenor, moi je donne, il faut, c'est important, il faut l'inclure. C'est dans notre cadre, il est plus apte à parler de ça. Dans le cadre du plan de formation, il va expliquer à M. Bidjinet. Voilà, M. Filal, il est arbitre. Merci, cher Kamel. À chaque fois, tu me tends la perche. Effectivement, dans le plan d'action de la DDF, où là, la CRAM s'est partie prenante à 100%. Donc, effectivement, il y a un aspect de formation des arbitres de 3-3 qui sera pris en charge par la commission des 3-3 et de la CRAM. Puisqu'actuellement, il n'y a pas de commission spécialisée 3 contre 3. Elle est indépendante de la fédération. Hein. Elle est partie prenante de la fédération. Effectivement, M. Hamoutian nous a proposé un plan d'action. Inch'Allah, ya Rabbi, wafqna, ou n'tempo. Mademoiselle Tahmi. Non, les arbitres ne sont pas droits de poser les questions. Ils n'ont pas droit de poser les questions, les arbitres. Je l'ai dit dès le départ. La bonne, 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 la bon
Je pense que la majorité des membres sont les 5 critères, mais alhamdoulilah, j'espère l'approche de la. Bon, j'interviens le sujet de M. Hamoutan. Accorder plus de. M. Saleh, accorder plus de. Ou mettre à la même de bêche parce que c'est pas accordé plus 2, c'est accordé plus 1. Bien sûr. C'est les 2 points ou la charge aussi marqué les 3 points, il aura un lancé franc supplémentaire et non pas 2 plus pour un bonus toujours. Un bonus. Voilà, je ne sais pas si je suis en on dort l'antisportive, Si on siffle une faute et on accorde pas ni 10 plus 1. Ok. Dans la différence, dans la différence du 3 contre 3, quand il y a une situation à siffler, on marque un panier, on espère un point plus 2 lancés, mais c'est plus 1. Non, c'est 3 contre 3, dans la filet. J'ai sauté à la filet parce que c'est de la note à libre. Donc, toute faute siffler, panier accordé, plus à chaque fois. Plus à chaque fois. Ok? Z. Merci. Anna, j'aimerais bien que notre ami, Marhaba Bé, M. Ibrahim Djelloul. J'allais te dire que c'est un fou, mais elle des entraîneurs. Dans leur cursus de formation au niveau des NFCS, est-ce qu'il est prévu justement des modules ou là carrément des thèmes qu'on puisse intégrer dans la formation des initiateurs qui nous devraient J'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui est prévu par rapport à quoi? J'avais demandé est-ce que dans les cursus de formation au niveau des INFSTS, des premiers degrés ou la deuxième, troisième degré, il y a des modules d'arbitrage pour les jeunes entraîneurs et éventuellement confirmés. Est-ce que c'est prévu ou est-ce que ça existe? Je ne suis pas exactement. Alors, on a fait plusieurs stages, surtout premier degré, deuxième degré, Farine Bunyan, et c'est toujours prévu 2 séances pour l'arbitrage. Et ce qu'on a fait, ça fait longtemps, c'est d'inviter un arbitre soit international, soit fédéral, et c'est lui qui fait le cours. En tant qu'enseignant, je m'assois avec les stagiaires et j'écoute, je suis un peu le modérateur, et je laisse le soin à l'arbitre invité de faire le cours sur l'arbitrage. Parce que moi, personnellement, je peux faire le cours l'arbitrage, mais je ne pourrais jamais le faire aussi bien qu'un arbitre, surtout un arbitre fédéral ou un arbitre international. Donc, on l'a fait par le passé, mais un AM d'Abiya, même les stages fédéraux de ta initiateur, les stages fédéraux ta initiateur ou les stages au niveau des ligues. Mais d'abord qu'on inclut automatiquement Damon un cours sur l'arbitrage et on invite un arbitre qui est l'icône compétent pour donner le cours. Et mais d'abord qu'on intervient, que l'arbitre intervient, fait le cours, surtout les questions litigieuses, les sarauf, la réalité entre les arbitres et les entraîneurs. Ou maintenant, Mme Biya, il inquiète surtout à les points, parce qu'il ne s'agit pas d'enseigner le règlement l'entraîneur. C'est surtout de parler des règles qui sont, où il y a beaucoup de litiges pendant les matchs officiels. D'un autre côté,
Mais il y a aussi que pendant les arbitres, ils déroulent les cours, ils font un dialogue. Parce que par expérience, dans le passé, j'ai remarqué que les entraîneurs avaient beaucoup de préjugés envers les arbitres et avaient interprété très mal le règlement. Et quand ils avaient le loisir de poser les questions à un arbitre compétent, la réponse était très claire et j'ai remarqué personnellement que les entraîneurs qui étaient sur place étaient vraiment ravis de l'expérience. Parce que des fois, je ne sais pas le règlement, c'est de ta faute. Mais des fois, Mais qui dit l'entraîneur de vive voix, pardon, l'arbitre de vive voix, il répond. L'entraîneur, ça devient très clair. Donc, c'est une expérience très, très intéressante qu'il faut répéter et qu'il faut faire maintenant. Mais d'abord, que ce soit automatique. Mais si Hadja Yannin Diroa exceptionnel, mais automatique. Automatiquement, on invite un arbitre, les points importants. Et pour terminer, je voudrais remercier M. Hamouten pour tous les efforts qu'il est en train de faire. J'ai beaucoup apprécié la conférence de l'Ium. Personnellement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et Saha, s'il continue comme ça, on va devenir aussi bon que les arbitres. Que les arbitres, ils vont passer un mauvais quart d'heure avec nous. Qu'ils nous le lavent. Merci à vous tous. Je suis encore une fois interpellé par M. Sofiane. Je crois que le temps va se terminer. Je voudrais remercier bien sûr particulièrement M. Kamal Hamouten pour son abnégation et son sérieux et de prendre les choses en main dans le cadre de la formation et dans le cadre de ces webinaires. Donc je remercie tout le monde pour les interventions, je remercie tout le monde pour le sérieux. Et là, j'étais en train de zapper sur les présents, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont régulièrement présents, des gens qui sont présents de temps en temps. C'est pour ça que j'ai dit Moubil Salah, c'est Mid Mouchtahed. Nadir aussi, c'est Mid Mouchtahed. Je me demande de me donner les bons points. Donc, je pense que tout est bénéfique. Même si on répète, c'est bénéfique. Mais moi, je reviens toujours. Moi, je reviens toujours quand on parle de formation. Parce que là, on est censé s'adresser aux jeunes entraîneurs. Même Salah, il est jeune. Hein, aux jeunes entraîneurs. Good man, Salah. De se faire assister pendant les entraînements par des arbitres. C'est fondamental dans sa formation. L'entraîneur ne peut pas uniquement parler de Houa. Houa, il dit l'arbitrage, Houa, il dit la psychologie, Houa, il dit les pas. Mais ça va devenir l'enfant, il va écrire l'entraîneur. Mais quand il y a des interventions de personnes externes qui viennent ramener un plus complémentaire à ce que donne l'entraîneur, ce ne sera que bénéfique. Voilà, je remercie tout le monde. J'espère que ça a été bénéfique et je donne rendez-vous donc au 29 avec M. Brahim Djelloul pour terminer donc cette session du mois de juillet, le webinaire du mois de juillet. On va procéder donc au mois d'août avec d'autres notre série de webinaires sous une autre forme. Tout est encore en concertation avec M. Choubani et M. Hamouten et bien sûr M. Sofiane Youssef. Nous allons faire intervenir des personnes qui vont compléter votre formation. Je vous remercie tout le monde. Je laisse la parole à Kamel Hamouten pour clôturer. Merci, Ismaël Barakallah. Enfin, surtout, je remercie les gens qui ont je l'ai dit, je suis Gassana, tête à tête, avant encore le direct. Il y a des gens qui sont sérieux, qui sont toujours là. Moi aussi, je cherche chaque fois un coup d'œil, la liste, elle est présente. Moi, je leur fais, je les félicite. Il y a des anciens tels Knadir, Salah, etc. Cheikh Bouraïen, de les voir, Cheikh Djelloul. Moi, personnellement, ça m'encourage. Il y a toute une armada là, et ils sont là pour le développement. Nous avons notre objectif. Que ce soit les arbitres, les entraîneurs, on a un seul objectif, c'est bien le basketball. Donc, je vous remercie tout le monde, Djemaha. Aussi, je vous invite à assister à les conférences à l'arbitrage. Comme sur Facebook, chaque fois, mais la page de la FAMS. On aimerait bien que les entraîneurs puissent nous voir. Je vous remercie.
طلع فوش يقول ربي فعنا البلاد إن شاء الله جماعة تلاقوا في ساعة الخير إن شاء الله.